connected. 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 Tu croyais qu'il n'existait pas. Tu pensais qu'il n'allait jamais revenir sur Terre. Êtes-vous prêt pour le grand voyage? Pour le grand voyage. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Joachim Garraud. Joachim Garraud. Live. Quelqu'un dans la soucoupe. Alors bon, bienvenue à cette émission, bienvenue les enfants, bienvenue les petits éléphants, j'espère que vous allez bien. C'est une bonne journée, nous sommes en direct, il est 21h05, j'espère que tout va bien pour vous. Oh là là, il va falloir qu'on fasse un peu de techno là, parce que ça me démange là, quand je vois ça là, quand je caresse ça, je suis bien. J'espère que vous allez bien, les Space Invaders. Je vais revenir quand même à la normale. C'est vrai que 55 ans, 56 ans à faire le con avec des trompes d'éléphant. Va falloir quand même que ça passe tout ça. Bien, j'espère que vous allez bien, les Space Invaders. Nous sommes en direct.
Et on parle production aujourd'hui. Eh bien, ça va être un grand jour. Je vous le dis tout de suite, parce que l'émission va être importante dans le contenu que je vais vous délivrer. Je dis bonjour à tous les gens qui sont dans le chat ici. Salut Marie-Pierre d'Aubricourt. Salut Anna 1x4, Alexandre Best, Low Bass, Léo Guest, Philippe Etienne, Christophe Deveau. Salut Ludovic Richard Ruiz, Vivien Duflo. Salut. Daniel, Léo Guest, Daniel! C'est pas Daniel là-bas? Daniel! Ben oui, c'est bien Daniel. Will, bien évidemment, Oniric Dreamer, Kevin, Wave Galactic, Chris Nateg. Bon, je ne vais pas pouvoir dire bonjour à tout le monde. Aussi, Jeff, enfin, vous êtes très nombreux à nous rejoindre sur cette émission dans le chat, mais aussi grâce à Discord. Regardez en Discord. Salut à tous les allumés de Discord. Oh là là, il y a eu du t-shirt qui est arrivé là! Je vois qu'il y a eu une première livraison du Space Shop, là. Oui. Bon, Christelle, tu vas tout nous montrer. Sors pas tout maintenant, tu vas tout nous montrer. T'inquiète pas, on a une heure. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu vas nous faire l'essayage de tout, la totale. T'inquiète pas. Oui. C'est bien, ils sont à fond. Donc, bienvenue dans cette émission. Vous pouvez participer. Alors, en allant sur Discord ici, joachimgarou.com/Discord, vous inscrivez et vous rejoignez Discord. Alors, Discord, à quoi ça sert? Discord, c'est ben, ça réunit un peu toutes ces personnes-là qui sont en direct actuellement, qui regardent l'émission et qui vont pouvoir participer, poser des questions, intervenir en direct live. Mais surtout, ça permet aussi tout au long de la semaine à continuer à garder un contact et à produire de la musique ensemble. Pourquoi produire de la musique ensemble? Parce que vous êtes au courant que nous avons ensemble démarré une aventure qui ressemble à ça, qui est Joachim Garou and Friends, et c'est vous les Friends, et que ben, regardez, il y a déjà tous ces titres-là qui sont sortis. Il y a le 13 qui sort aujourd'hui. Je vais reprendre ma note que Sylvain a eu la gentillesse de me faire. Donc alors, je regarde les sorties. Aujourd'hui, c'est la sortie du 13. Donc le 13, le titre s'appelle DDEJFLX. Ça ressemble beaucoup à un sponsoring de chez Pioneer, effectivement. Ça aurait pu être le cas. Bravo à OCG, Luke Kay, Markovitch, Joes, Chris Nateg, qui sont les co-compositeurs de ce titre numéro 13 que je vous propose qu'on va en écouter un extrait. Bah, ça serait pas mal quand même. Ça, c'est le titre qui sort aujourd'hui, le 13. Alors pourquoi on a mis des numéros? Bah, parce qu'il y en a beaucoup. D'abord, il y en a 16 au total. Et pourquoi 16? Bah, parce que 16, ça tient parfaitement dans un vinyle. C'est 4 faces de 4 titres. Moi, j'aime bien quand c'est bien carré comme ça. Et donc, du coup, bah, attendez, je vais vous refaire voir un petit peu là où on en est de cette production d'album. C'est-à-dire que ça n'arrête pas d'évoluer, mais maintenant, on est vraiment dans la version finale. Voilà ce que ça va donner. Donc, 2 vinyles, 4 faces et un petit texte qu'on vous a fait relire sur Discord pour voir s'il n'y a pas des fautes d'orthographe dans les prénoms, dans tous les gens qui ont participé. Et puis voilà, on est en train de finaliser aussi les durées des faces, et ça je vais vous en parler parce que c'est important. Et alors donc, on a aussi répondu à une question générale sur l'artwork. Il y a pas mal de gens qui disaient, mais moi j'aimerais bien avoir ma version dédicacée de l'album, puisque c'est vrai qu'on fait que 300 copies, et on s'était dit, voilà, ce serait bien si tu pouvais me le dédicacer. Alors on a réfléchi, c'était compliqué parce que, pour vous la faire courte, l'usine de fabrication n'est pas... Je ne peux pas aller dans l'usine signer les 300 copies, c'eût été le plus simple, donc c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Vous voyez ici l'arrière du vinyle, et je crois que je l'ai un peu mieux ici, pochette arrière. Voilà, c'est ici. Voilà, regardez. Donc, c'est l'arrière de la pochette vinyle sur lequel, eh bien, on a mis une signature. J'ai signé We Are Back et j'ai mis Joachim Garou. Et l'idée, c'est que si jamais vous voulez votre version dédicacée à votre nom pour Stéphanie, Christophe, Christelle, Evan, voilà, Gigi, voilà, forcément, si vous voulez avoir votre nom ici, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vous enverrai un scan de, voilà, spécialement pour toi, et puis vous pourrez donc imprimer ça peut-être sur un truc autocollant et le mettre ici. Alors, je sais que c'est un peu de la bidouille, mais on n'a pas trouvé mieux et plus écolo aussi pour éviter des allers-retours. Autre chose, bah, si vous venez à Electric Park le 15 juin, eh bien là, on aura des exemplaires. Et donc, vous aurez peut-être reçu vos exemplaires, ou je ne sais pas trop, on est en train de voir un peu comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour les co-compositeurs, eh bien, on pourra faire des signatures. Je pourrais faire des signatures sur place. Alors,
J'en profite, je vous parle aussi d'Electric Park. Electric Park, c'est EPK. Le 15 juin, samedi 15 juin, on a une grande nouvelle qui arrive. Je ne peux pas vous le dire encore, mais sachez qu'on va faire... Bon, on fait déjà tous les ans une belle fête. Mais là, on va faire une belle fête avec un petit bonus. Même un petit bonus, je pense qu'il va exciter un peu tous les Space Invaders. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que tous les co-compositeurs, donc si on regarde ici, c'est quand même tous ces gens-là, voilà, Alex Brandy jusqu'à Mathieu P, voilà, toutes ces personnes-là. Voilà, donc là, vous pouvez avoir à cause de la définition, mais vous voyez, voilà, tous ces gens sont des gens qui ont co-composé de la musique avec moi, depuis le mois de septembre, et qui font partie des co-compositeurs des 16 titres présents sur cet album. Eh bien, tous les co-compositeurs, eh bien, vous êtes tous invités à Electric Park. Mettez-vous en relation avec Evan Gastel pour qu'il puisse s'arranger pour vous faire parvenir votre place et que vous puissiez venir nous rejoindre pour faire une grosse fête le 15 juin à Electric Park. Je vous rappelle, Electric Park, c'est le festival que j'ai le grand plaisir de... Je ne vais pas dire piloter parce que ça fait un peu prétentieux, mais en tout cas, voilà, j'ai créé ce festival en 2010 et on est en 2024 et c'est la 14e édition, en sachant qu'il y a eu une édition blanche qui était l'édition du Covid, enfin à cause du Covid en 2020. Mais voilà, mais donc on refait la fête le 15 juin, le samedi. Cette année, c'est qu'une seule journée puisque à cause des Jeux Olympiques, on était obligé de déplacer. Et puis j'espère que l'année prochaine, on pourra faire 2 jours. Voilà, est-ce qu'il y aura Knarf sur scène ? Peut-être, s'il vient, avec plaisir. Voilà, enfin, en tout cas, vous verrez. Il y aura des surprises. Je ne peux pas tout vous dire, mais il y aura des surprises sur Electric Park, en tout cas. Voilà, donc je regarde un petit peu la liste des choses que j'avais à faire. J'ai pas mal... Après, on va parler production. Donc là, je parle un petit peu des choses autres que la production. Ah oui, je voulais aussi vous dire que j'étais très heureux de voir effectivement que les premiers t-shirts étaient arrivés dans le Space Shop parce que... Vous étiez nombreux à profiter de l'offre qu'on a faite, qui était le frais de port offert, gratuit. Hein, et quand, du coup, y en a pas mal qui se sont retrouvés à aller visiter justement la boutique en allant sur joachimgarou.com. Et puis, ils allaient se faire des t-shirts We Are Back, Avorias, tout ça, comme vous voyez. Ou carrément avec les nouveaux logos de Joachim Garou and Friends. Et regardez... Allez, en direct live, regardez, voilà, premier t-shirt. Donc, alors, Christelle, vas-y, montre-nous. Elle a un Joachim Garou and Friends, voilà. Très bien porté, bravo, Joachim Garou and Friends. Et qu'est-ce que tu as dans le dos ? C'est blanc ? Oui, il y a un truc dans le dos ? Ah non, il y a le logo. Dormir, c'est tricher. Ah, voilà, bravo, très bien, bon choix. Et t'en as un autre ? Et t'en as un autre, oui, mais d'accord. On te laisse te changer. Ah, il est joli, celui-là. Joachim Garou. Ah non, je ne vais pas me changer. Non, non, c'est très beau, bravo, bravo, magnifique. Et j'ai un parapluie. Et un parapluie, mais on n'en aura pas besoin à Electric Park, tu peux le ranger. Et un badge. Très bien, bravo. Ben merci Christelle, je vois que ça a bien fonctionné en tout cas la boutique. Et un autocollant, Avoriaz. Avoriaz, ah super. Ben voilà. Donc bon, en tout cas, voilà, sachez que c'est encore... la boutique est ouverte 24 sur 24, vous avez bien compris, bien évidemment. Et vous faites vous-même vos propres créations et ça arrive chez vous. N'hésitez pas à partager, à envoyer... à vous prendre en photo avec un t-shirt, un truc comme ça. Si vous pouvez m'envoyer ça, ça me ferait plaisir. Je ferai un petit montage. Vous envoyez ça à joachimgarou.com/in. Voilà, vous avez reçu un t-shirt. Ah bah d'ailleurs, attendez. Mais non, je vois ici Laurent, un certain Laurent. Laurent, c'est quoi ce t-shirt ? Laurent, tourne-toi. Montre-toi de face ou de côté. Ah oui, mais t'as mis combien de logos là ? T'as tout mis dedans là ou quoi ? Attends, ouf. Attends, j'entends pas, il faut que tu ouvres ton micro en plus. Je vois que Laurent s'est fait un t-shirt, il y a du logo, il y a pas mal de trucs. Hein. Tu as mis Joachim Garou and Friends sur le devant, très joli. Ouais, il est derrière sur le... Ah ouais, et sur le dos aussi, génial. Ah, t'as la pochette carrément de l'album. Ouais. De ce côté-là, on peut prendre le QR code là. C'est pas vrai. T'as fait un truc pour le QR code pour aller précommander l'album, non ? Ouais, voilà, c'est ça. Oh, mais il est génial. Et comme ça fait de la com. Ah ouais, pas mal. Ah, ouais, c'est génial. Bon, bah ok, c'est une très bonne idée, le QR code. Il faut que j'en parle à Evan Gastel, au rapport. Ouais. Evan, pas mal le QR code. Hein, pas mal. Ouais, ouais. C'est une bonne chose. Bon, ben voilà. Merci. Ben écoute, je vois que vous êtes très créatifs, donc n'hésitez pas, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Alors voilà, je vous ai parlé de la boutique, je vous ai parlé de Electric Park.
Alors, qu'est-ce que l'album, où on en est où de cet album vinyle que je vous montre? Alors, est-ce qu'il est en fabrication? Non, pas encore. Pourquoi il n'est pas en fabrication? Parce que d'abord, il faut demander ce qu'on appelle les codes à la SDRM, qui est la Société de droit de reproduction mécanique. Vous payez une taxe pour fabriquer des vinyles. Et donc, on a reçu la facture, et je me retourne vers Evan qui pilote ce projet. Donc, on paye 1290, c'est ça? Je t'entends pas. 1500 euros. 1500. Et là, 1500, c'est en fonction du nombre de copies ou c'est juste le fait qu'on en fabrique? Nombre de disques et nombre de morceaux De sur minutage et les tout ça, vinyles. quoi. Ok, donc voilà, donc là on a payé ça, c'est bon, et donc maintenant on va pouvoir fabriquer, sauf que je suis en train de finaliser les masters pour les vinyles. Et là je vais vous en parler un petit peu en deuxième partie de l'émission où je vais être un peu plus technique, où je vais vous montrer un petit peu où j'en suis dans le mastering, parce que le mastering du vinyle est différent du mastering que je vous ai montré, et du coup bah, j'ai fait pas mal de modifications, et comme j'ai fait pas mal de modifications, bah, je vais partager ça avec vous. J'espère avoir fini en fin de semaine pour que effectivement les vinyles soient fabriqués et qu'ils soient disponibles le 15 juin. C'est ça notre but. Alors, donc, avant de vous parler de ça, je vais aussi parler d'un petit concours qui a été lancé, qui était un petit concours qui était sur le Facebook, qui était rapide. Vous savez, sur le Facebook, on essaie de faire des petits jeux de temps en temps, et on a cette espèce de rubrique qui est deviner qui se cache derrière les masques. Alors ouais, là, et donc vous avez toujours une photo avec un super super intégration des masques. Ça, c'est magnifique, c'est vraiment très très bien fait. Oui, on s'y croit, et c'est vraiment génial. Vraiment, c'est parfait, il n'y a pas du tout de distorsion ici au niveau de la bouche. Là, c'est vraiment super. Non, mais je blague, mais bon. Je blague, mais c'est très très bien. Alors, donc, qui se cache derrière ces deux masques? Eh bien, la réponse avec la photo ici, regardez, donc, qui se cache derrière les masques? Les masques, regardez, ils étaient deux. Voilà, Monsieur Bob Sinclair et Quentin Mosimane. Voilà. Alors, je voulais féliciter Will qui doit avoir une copie archive de toutes mes photos, puisqu'elle est trouvée en 4 secondes. Donc, soit. Il faut que je demande à Will si c'est pas carrément pirater mon réseau interne de photos. Il récupère les photos au fur et à mesure. je vais trouver la solution. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Donc, bravo, bravo à lui. Et puis, on continuera à faire des petits jeux comme ça. Aller sur le Facebook pendant que ça existe encore. Non, je rigole, je dis ça parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui bougent sur Insta. C'est incroyable ces réseaux, parce que ces réseaux, on a l'impression qu'ils sont tellement puissants, c'est des géants qui bougeront jamais. Et puis, en fin de compte, c'est hyper fragile. En fin de compte, c'est incroyable. Un jour, on pourra faire une discussion sur ça, si ça vous intéresse, franchement. Ça me plairait. Alors, donc, ça, je vous ai dit ça. Je continue. Je vais masquer. Donc, ça, c'est fait. Le titre 14. Ah oui, j'ai dit que je vous passais un petit extrait du 13. C'est vrai. Parce que le 13 est sorti aujourd'hui. Donc, le 13, il est. Je vais chercher dans les masters de l'album. Ici, hop, 2024 projet. Le 13, c'est parti. Donc 13, c'est celui-ci. Avec les cloches de Noël. J'avance un petit peu, hein. Alors évidemment, il y en a encore qui vont me dire, ah oui, ça ressemble à un titre qu'on connaît. On est au courant, hein, on a travaillé dans ce sens-là. Voilà, félicitations à tous mes co-compositeurs pour ce super titre un petit peu trance qui sort donc aujourd'hui sur les plateformes. N'hésitez pas à le mettre dans vos playlists, de le relayer à fond dans toutes les playlists. Le son est super, franchement. Je sais pas qui a mixé, mais c'est vachement bien. Voilà.
Voilà, donc ce titre-là sort aujourd'hui, disponible sur toutes les plateformes. Mettez-le dans toutes vos playlists. Et donc, ça, c'est la version master, mais ce n'est pas la version du vinyle. Et c'est là où je vais peut-être pouvoir vous montrer un petit peu quelle est la différence au niveau du mastering. Je vais pouvoir prendre, par exemple, ce titre-là. C'est un très bon exemple. Je vais vous masteriser le 13 pour le vinyle. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je regarde ce que j'ai d'autre encore à organiser. Les précommandes de l'album, super, il nous reste encore quelques copies si c'est le moment d'en profiter avant qu'il n'y en ait plus. joachimgarou.com/shop. Et puis, j'ai eu pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on fait des titres qui ne sont pas sur le vinyle? Je vous en parle dès maintenant. Alors, donc, d'abord un petit jingle. Non, c'est important de mettre des jingles quand même pour faire une grosse émission de télévision, en tout cas. Transition. Bienvenue dans la soucoupe. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces titres-là? Eh bien, comme l'album est terminé, enfin, en tout cas, vous n'avez plus grand-chose à faire. Maintenant, c'est moi qui dois tout finir. Je vais vous montrer un peu ce que je suis en train de faire. Eh bien, nous avons décidé, quand je dis nous, c'est parce qu'on a pris la décision à plusieurs, de réactiver le label Underground Music. Bon, Underground Music, c'est le label qui a produit cet album-là. Mais maintenant, ce que je pense qu'il serait utile, c'est de continuer à faire un peu de prod, mais que ça soit pas la prod Joachim Garou & Friends, mais que ça soit vos productions et qu'on développe ensemble ce label Underground Music, qu'on puisse faire une petite tournée, qu'on puisse faire des dates, qu'on puisse faire un peu de promo à la radio, en tout cas, qu'on puisse faire vivre ce label Underground Music. Alors pour ça, c'est assez simple. Il faut nous envoyer vos productions. C'est-à-dire que la différence avec ce qu'on a fait depuis le mois de septembre, je commençais un morceau, vous m'envoyez des parts, j'intégrais certaines parts, je retravaillais le morceau, vous renvoyez des parts et puis je produisais le morceau. Là, l'idée, c'est que vous produisiez au maximum le morceau, que je choisisse avec sûrement Evan Gastel, avec deux, trois personnes qui vont m'aider sur le label et ensemble, eh bien, soit je finis la production, soit je fais un peu de mastering, soit je fais un peu de mix si jamais il y a besoin. En tout cas, je file un coup de main et l'idée, c'est que je pourrais montrer ça lors de stream en disant, ben voilà, aujourd'hui, on va travailler sur la prod de Caroline qui m'a envoyé tel titre et ça va sortir sur Underground Music. Alors, on aime bien ça, mais ça, je pense qu'on peut l'améliorer. Et puis du coup, ben, ça va permettre à vous d'être un peu plus impliqué en tant qu'artiste et puis surtout bah, de continuer à travailler sur la production. Alors donc, quel genre de titre il faut m'envoyer? Parce que ça, c'est très compliqué. C'est pas très compliqué, c'est même plutôt simple au final. Il faut m'envoyer des titres que vous entendez dans les E-Mix. C'est-à-dire, écoutez les E-Mix, mon podcast. Si vous ne connaissez pas, vous êtes très en retard puisque j'en ai fait plus de 900 épisodes. Ça fait plus de 15 ans que ça existe, plus que ça, maintenant 16 ou 17 ans. Ça fait 17 ans que toutes les semaines, je fais un mix d'une heure dans lequel je mets un certain type de musique. C'est la musique électro, techno. Allez écouter les E-Mix et ça va vous inspirer. Si jamais le titre que vous produisez peut passer dans un E-Mix, alors il peut venir sur Underground Music. Si ce titre-là, vous pensez qu'il n'y aura pas sa place dans un E-Mix, ce n'est pas la peine de nous l'envoyer. C'est aussi simple que ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, c'est important de jouer vos productions. Parce que quand je vais passer vos titres qui sont sur le label Underground Music, qui vont passer dans The Mix, qui vont passer sur Radio FG, qui vont passer sur... The Mix passe à peu près dans une dizaine de radios dans le monde, dans différents pays, que ce soit au Maroc, que ce soit différents pays. Et donc, c'est bien, ça va vous permettre de faire connaître votre nom, ça va permettre de développer le label. Mais pour ça, il faut que je puisse jouer ce morceau, votre morceau, dans mon radio show, dans ce podcast The Mix. Voilà, c'est hyper simple. Si ça ne rentre pas dans The Mix, ça ne peut pas être dans Underground Music. Je regarde si on avait... Vous pouvez envoyer vos démos si vous allez sur undergroundmusic.com. Alors, undergroundmusic.com, ça s'écrit comme ça, je vais vous montrer. Parce que ce n'est peut-être pas évident au départ pour ceux qui ne connaissent pas. Ça s'écrit comme ça, UNDGRD. Vous voyez, comme ça ici, là. Vous voyez, UNDGRDmusic.com. Voilà, UNDGRDmusic.com. Et vous pouvez donc envoyer vos démos. Si vous allez sur Underground Music, eh bien, vous allez pouvoir déposer directement vos titres, ce qui est quand même très pratique. Ça vous évite de passer par des différents agrégateurs. Mais en tout cas, ça vous permet déjà d'identifier et nous envoyer quelque chose qui corresponde à la musique qu'on cherche. Je regarde Underground Music. Voilà.
Voilà, datatata, je regarde, home catalogue, démo, contact, démo, voilà. C'est bien ici, vous allez dans démo, je regardais dans Underground Music, vous allez dans démo ici, et dans démo, ben vous remplissez, voilà, je m'appelle Caroline, voilà, hein, voilà, mon nom, tatatata, mon email, tatatac, et vous envoyez votre MP3 en disant que vous avez besoin donc de rejoindre l'équipe de Underground Music. Ok, ça c'est simple, UNDGRD, musique, tout attaché.com. Voilà, et donc du coup, ben, on va récupérer ces titres-là au fur et à mesure, et puis on va écouter, et puis on va sélectionner ceux qui sont le plus, qui peuvent rentrer plus facilement dans la playlist des E-Mix. Et puis ben, on va finir soit la production, soit finir le mix, soit le mastering, ou soit le titre sera parfait, il n'y a rien à faire. Il y a juste besoin, ben, y a ju juste besoin de, voilà, de vous filer un coup de main sur la promotion, sur le fait ben, que ça soit sur les bonnes plateformes de streaming et toutes ces choses-là, et qu'on fasse. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, comme je vous l'ai dit, mais on n'a pas pu le faire à cause du Covid, c'est pour ça que j'ai arrêté. J'avais lancé Underground Music en 2018-19, et au moment où on allait eh bien, se développer, est arrivé le Covid. Et puis là, bah, ça a tout stoppé. L'idée, c'est que je voulais qu'on fasse une petite tournée Underground Music. L'idée, c'est de faire peut-être, je ne sais pas, quelques clubs, d'aller avoir une scène Underground Music à Electric Park. C'est ça le truc. Et donc, une fois par an, ben, vous venez jouer sur ce festival et puis on essaie de promouvoir ce type de musique. Alors, c'est dans la lignée totale des 16 titres qu'on a produits, enfin que j'ai produits et qu'on a co-composés pour cet album. C'est dans cette vibe-là. Hein, voilà. Donc, je vais aller regarder sur Discord. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour participer à ça? Levez la main. Tiens, Joa, Kriska, oui, Joa, Chloé. Markovitch, oui, bon, presque tout le monde, ok. Ben, c'est parfait, c'est super, très bien. Donc, bon, est-ce que vous avez des questions concernant le label? Est-ce que c'est super clair? Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou ça roule, je peux passer à la suite? C'est parfait, bon, très bien, merci. Ok, donc voilà, donc ça c'est fait. Je vous ai parlé d'Underground Music, qui va être donc la suite. Pour vous, vous pouvez vous y mettre dès maintenant, puisque l'idée, c'est qu'on ne va pas sortir une prod par semaine, parce qu'une prod par semaine, c'est beaucoup de travail, et en plus, on n'a pas le temps de vraiment de travailler le titre. Quand je dis travailler, c'est qu'il faut l'envoyer au DJ, il faut l'envoyer à certaines plateformes, il faut faire un petit peu de pub, un peu de promo, acheter des Google Word, enfin, vous savez, toutes ces choses-là. Et donc, si on en fait un par semaine, c'est trop speed, et en plus, on n'a pas le temps de développer le truc. Donc, je pense que. On peut peut-être se dire, allez, un toutes les 3 semaines ou un par mois ou un toutes les 2 semaines. On va voir ça. Mais je veux pas qu'on se presse. Je veux vraiment être amoureux de tous les titres que je sors sur le Underground Music. Je veux être capable de les jouer dans mes sets et je veux être capable de les jouer dans The Mix. Ça se passe comment avec le droit d'auteur? Ben, c'est hyper simple. Je réponds à ta question, 21 novembre. Si c'est toi qui as fait le titre, c'est toi qui es compositeur à 100%. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est. C'est là, comme on a partagé à plusieurs, parce que c'était de la co-composition, on était 3 ou 4, 5, eh ben on divisait en 5 la part de composition. S'il y a un seul compositeur, il a 100% des droits du compositeur. Voilà. Et je m'occupe des éditions, c'est-à-dire que vous serez sur le label Square Rivoli Publishing. Ce label-là est un label qu'on développe justement sur la musique électronique en ce moment. Et donc, ça permet aussi, en étant sur le Square Rivoli Publishing, d'essayer d'être dans des publicités, d'être comme j'ai eu la chance de faire avec Corvade, qui a été dans le film Batman, vous voyez, des choses comme ça, donc ça rapporte beaucoup d'argent. Mais bon, c'est des coups de chance, mais pour ça, il faut être dans une espèce de réseau, vous voyez. Voilà, bah, écoutez, je vous ai bien expliqué ça, ça nous permettra aussi de garder le lien. Le Discord va être utile, on va vraiment faire un salon Underground Music, label, tout ça, enfin, c'est déjà d'ailleurs le cas, je pense. Et donc, du coup, on va bien développer ça. Voilà. C'était un peu long, excusez-moi, j'étais un peu bavard. Mais bon, c'était important de vous montrer l'avenir un peu de tout ce qu'on a créé ensemble depuis le mois de septembre, que ça n'allait pas s'arrêter du jour au lendemain. Comment on fait pour envoyer les démos? Pas de réponse encore, il a déjà envoyé des démos. On a reçu pas mal de titres, je le dis franchement, mais on n'a pas eu le temps de tout écouter encore parce que ma priorité en ce moment, c'est ce master de cet album, ce double album. C'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bah déjà, tiens, je vais vous diffuser un petit film qui a été fait par notre ami Evan Gastel, qui vous montre un petit peu les étapes de fabrication du vinyle. Parce qu'une fois qu'on a fait les 16 titres,
et qu'on va les masteriser. C'est ce que je vais vous montrer avec le titre 13. Là, je vous ai promis, je vais faire le mastering du titre 13. Je vais vous montrer un peu comment on fait pour le vinyle. Eh bien, ce titre, une fois que les 16 titres seront masterisés pour le vinyle, hop, ça part et ça va être fabriqué. Regardez comment ça va être fabriqué, c'est très intéressant, ça dure 2 minutes. La fabrication d'un vinyle se fait en 3 étapes bien distinctes. La gravure, la galvanisation et le pressage. La gravure est réalisée à l'aide d'un stylet chauffant qui incisera les micro-sillons sur la laque. C'est à cette étape que l'on va déterminer la vitesse d'écoute du disque vinyle, 33 tours ou 45 tours. L'inconvénient de cette méthode est que la matrice en laque est très fragile. Il en faut donc plusieurs pour être certain de la qualité des tirages. Ces disques que l'on appelle « test pressing » sont ensuite contrôlés par un ingénieur du son qui vérifiera si aucune erreur n'est survenue lors de la gravure. La méthode DMM, plus récente, est plus rapide et moins coûteuse que la fabrication en laque car les matrices sont réalisées directement à partir d'un master en cuivre. L'étape de galvanisation est ainsi très réduite pour aller directement vers le pressage du disque vinyle. La galvanisation consiste à préparer la matrice pour le pressage en lui faisant prendre un bain chimique. Pour la méthode à laque, 2 bains seront nécessaires afin que le stamper soit prêt. La laque est ainsi pulvérisée d'argent et plongée dans un bain de nickel qui viendra la solidifier. Le premier bain permettra d'obtenir la matrice paire qui sera le négatif de l'empreinte issue de la gravure. Le second bain se fera à partir du négatif paire pour obtenir la matrice mère qui, elle, sera conservée ou utilisée dans la réalisation d'un jeu de stamper. Enfin, le centre du disque est percé et le surplus de matière est barbé pour le calibrer parfaitement à la machine de pressage. Le pressage est la dernière étape de la création d'un disque vinyle. Les stampers, face A et B, sont positionnés sur les mâchoires de la presse avec une quantité de polychlorure de vinyle chauffé pour que le disque soit plus malléable lors du pressage. Les étiquettes sont posées sur la galette qui subit une pression de 100 tonnes afin d'accueillir les sillons de la matrice ainsi que les labels ou centreurs. Le disque vinyle final est découpé et contrôlé une dernière fois avant de rejoindre une platine vinyle prête à l'écoute. Alors on peut remercier Sylvain de ce super petit reportage. Merci Sylvain, c'est au top. Ouais, bravo, applause. Alors ça y est, maintenant t'es spécialiste, t'as filmé ça dans ton salon, t'as acheté la machine, c'est ça? Exactement. Voilà, t'es prêt. Il faut que tu montes un peu le niveau de ton micro, je te dis ça, t'es un petit peu faible encore. Ok, bah écoute, en tout cas merci, en tout cas c'était super intéressant. Je vais répondre à des questions, c'est effectivement, est-ce qu'on va faire des vinyles de couleur? La réponse est non, on va faire des vinyles noirs. On a fait tout un truc qui est noir et blanc, on va pas faire de la couleur sur des vinyles alors qu'on a tout fait en noir et blanc pour que ça soit justement hyper design. Vous avez vu un peu comment ça se passe, donc cette histoire de matrice. Et donc, c'est quand même assez archaïque, vous avez compris, mais ça oblige à faire un master différent. Pourquoi? Eh bien, tout de suite, regardez, je vous montre ce qu'il en est. Alors, je vais ouvrir donc la session du 13, le 13, et je vais vous montrer, parce que le 13, je n'ai pas eu le temps encore de faire le mastering pour le vinyle, et je vais vous le faire en direct. On va faire ça en direct live. Je vais vous montrer et vous expliquer. Alors, pourquoi on fait un mastering un peu différent? Ben parce que le fait de graver en vinyle fait que... on est obligé de respecter des normes un tout petit peu différentes que si jamais on fait un mastering pour les plateformes de streaming ou pour votre clé USB Recordbox. Et là, avant que je vous fasse une grosse vidéo, parce que je suis en train de travailler sur une vidéo vraiment précise suite à la réunion qu'il y a eu de Apple Music, Spotify et YouTube la semaine dernière, où il y a eu justement une discussion justement sur les nouveaux formats audio. Je me suis un peu pris la tête pendant 2-3 jours pour essayer de respecter certaines normes et de comprendre un peu ce qui se passait au niveau du streaming parce que c'était en pleine évolution. Je vais vous faire une vidéo précise.
J'attends de récupérer, j'attends d'avoir du temps. Il faut que je finisse d'abord le vinyle. Et une fois que j'ai fini ça, je vous ferai une vidéo vraiment très précise pour vous expliquer. Aujourd'hui, on fait trois masters. Enfin, je fais trois masters. Je fais un premier master qui est Recordbox, qui est sur ma clé USB, qui est pour que je puisse jouer en tant que DJ. Donc là, c'est le master sur lequel j'ai travaillé le plus de temps, celui qui est présent là en ce moment. Voilà. Je fais un deuxième master pour le streaming. Et c'est là où justement il y a une ambiguïté et où je pourrais justement vous développer ça un peu plus dans une vidéo. Puisque les plateformes de streaming sont un petit peu différentes dans ce qu'ils demandent en niveau de termes audio. Et on fait un troisième master pour le vinyle, parce que le vinyle, comme vous l'avez vu, et c'est très différent. Vous avez une surface, vous avez des choses ça. Alors donc, je vous explique. Je vais aller chercher ici d'abord. Alors donc là, je suis sur la session 13, enfin du titre 13. Je vais essayer de vous laisser un peu plus de place pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc j'écoute, c'est mon master. Je vais peut-être juste sur ma piste master rajouter, voilà, de quoi descendre le gain parce que c'est trop fort. Voilà. Alors je monte. Donc là c'est la session master, hein, de ce que j'ai fait pour le graver sur ma clé USB pour pouvoir le jouer dans mon record box. Donc c'est à dire que j'ai un niveau maximal parce que évidemment quand vous jouez un titre l'après l'autre, vous avez envie qu'il sonne aussi fort que le précédent. Et c'était un petit peu... J'ai déjà fait une vidéo qui parlait justement de la guerre du loudness, la loudness war. Je vous en ai parlé déjà. On est toujours dans ça. C'est-à-dire qu'en clair, quand vous jouez un titre et que vous êtes DJ, vous n'avez pas envie d'être obligé de monter les gains à fond. Et donc, vous avez besoin qu'il y ait autant de gains que le titre précédent et que le titre d'après. Donc, du coup, vous êtes obligé de respecter, d'aller ce qu'on appelle au taquet, c'est d'être très fort dans le rendu en décibels. Et c'est là où je vais pouvoir vous parler de LUFS et des choses comme ça, de normes un petit peu précises qui définissent un peu la puissance d'un son. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose qui est assez... je vais essayer d'être grand public, hein, en tout cas aujourd'hui. Je vais faire une vidéo qui sera beaucoup plus précise après, qui sera beaucoup plus détaillée. Là, je vais faire un peu général. Pour ceux qui sont déjà spécialistes, ne m'en voulez pas, je vais utiliser peut-être des termes qui sont un peu plus bateaux et un peu plus génériques et j'irai vraiment dans la précision sur la vidéo. Donc là, je me retrouve avec un master qui, si jamais j'enlève ici mon utilitaire que j'ai mis ici juste pour pas que ça me défonce les oreilles dans le casque, Si je vais mettre quelque chose qui me permet de contrôler la sortie de mon master. Alors, il y a plusieurs plugins qui existent. Celui qui est utilisé, c'est le Yulin, parce que le Yulin, c'est un gratuit. C'est celui-ci, là, le Yulin Loudness Meter 2. Et donc, quand je fais lecture ici, alors ça risque d'être un peu fort, donc je vais baisser un peu ici. Voilà, je baisse ici, lecture. Vous voyez déjà que là, c'est carrément abusé parce que les chiffres ici, Tropic à -0,2, c'est déjà très très fort. Et ici, vous avez -6. Alors là, on est en dB, LUFS, intégré. Donc là, en clair, on ne peut pas aller plus fort. Si on est plus fort que ça, on est en distorsion. Donc ça, c'est mon master que je mets sur ma clé USB. Je suis au maximum, c'est-à-dire que plus que ça, ça écrète et c'est plus beau et vous avez de la distorsion numérique. Donc ça, c'est mon master. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon master pour mon vinyle. Il est hors de question d'envoyer ce fichier-là pour faire le vinyle. Pourquoi ? Parce que le vinyle, vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de dynamique. C'est-à-dire que je vais vous ouvrir un peu la waveform de ce titre-là, vous allez voir que c'est un bloc, c'est-à-dire que c'est pas du tout recommandé. Je vous montre ça. Je vais l'ouvrir avec Audacity, par exemple. Voilà. Donc Audacity, vous regardez ici la waveform du titre 13, donc celui que je viens de faire là. Eh bien, vous voyez, c'est quand même un sacré bloc. C'est-à-dire que vous voyez ici, vous avez beaucoup de mal à voir une waveform en fait. Quand vous voyez, même quand on zoome ici.
Alors ça, c'est pas du tout recommandé pour du vinyle. Il faut qu'il y ait de la dynamique, il faut qu'il y ait de l'air. C'est-à-dire que idéalement, il faut qu'on voit une vraie waveform. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand on grave dans les sillons du vinyle, vous avez compris qu'on va graver quelque chose de physique qui est en profondeur, qui est en largeur. Alors la largeur, je vous en parlais après avec la phase. Mais globalement, si j'envoie ça en vinyle, le son va être horrible. Et le rendu va faire que vous n'allez pas entendre ça quand vous allez écouter le vinyle. Donc, il faut pour cela donner beaucoup plus d'air. Comment on fait pour donner de l'air ? Alors, pour donner de l'air, il faut reprendre ma session ici. Je vais aller la sauvegarder pour lui donner le nom de master vinyle, parce que je ne veux absolument pas écraser mon master. Donc ça, c'est master vinyle. Voilà, donc là, j'ai sauvegardé sous master vinyle. Première chose à faire, sur ma piste de master, ici, je vais enlever tout ce qui est un limiteur qui remonterait énormément la puissance de sortie, et je vais essayer de laisser beaucoup plus de dynamique et beaucoup plus d'air. Alors, quelles sont les choses qui vont dans le mauvais sens ? Alors, par exemple, vous avez ici un compresseur qui est le Weiss DS1 MK3. Je vais voir un peu comment il est réglé. Alors donc 3 dB et ici 0,8. Ok, donc alors là, quand je vais muter ça, on va avoir beaucoup plus d'air et on va descendre le niveau général. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Je vais essayer de le faire en direct. Tiens, j'espère que ça ne va pas tout planter. Donc je vous montre le Yulin ici et je vais muter, je vais bypasser mon compresseur et on va voir si ici ça joue sur les chiffres. Vous voyez ? Donc je fais lecture, je vais mettre ici. Attendez, je vais mettre un endroit bien fort. Voilà, 25, on va se mettre ici là, 25. Hop. Je vais mettre sur 16 mesures. Voilà. Je baisse un petit peu pour que vous puissiez m'entendre. Hein. Ok, alors donc du coup, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mon loudness qui était à -6,3. Je vais bypasser ici mon compresseur. Attention, 1, 2, 3. Voilà, donc là, vous voyez déjà, vous avez entendu, le niveau est descendu. Donc ça, c'est déjà, c'est-à-dire que je peux me passer, vous le voyez d'ailleurs, là, regardez, là, vous voyez, la courbe descend. On a un peu plus d'air, mais c'est pas suffisant. Hein. Donc là, le compresseur, ok, maintenant je vais aller voir le T-Rax ici. Alors le T-Rax, lui, c'est vraiment, il est vraiment responsable de ça. Vous allez voir, par exemple, si je bypass ici le compresseur, là j'ai un quad compresseur, si je le bypass, ah, vous voyez, là j'ai encore un peu plus d'air, on redescend, vous voyez, la courbe redescend à chaque fois, hein, ça redescend. Ok, je vais aller voir maintenant le one c'est celui-ci, alors là si, je bypasse mon one, là tout s'écroule. Donc je vais pas faire ça, il faut juste que je redescende, parce que vous avez vu là, j'ai rajouté beaucoup de choses dans le one. J'ai rajouté ici de la largeur stéréo, beaucoup de graves, des aigus. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un petit peu mes transientes ici pour donner un peu plus d'air, un peu plus de dynamique. Je vais descendre ici le volume général de sortie. Et vous voyez ici, là, on commence à avoir un peu plus d'air. C'est-à-dire que je commence à avoir un peu plus d'effort, mais pas un carré, pas un cube. Vous voyez ce que je veux dire ? Je continue. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, sur le FAB filter, j'ai 3 dB là que je peux gagner. C'est-à-dire que là, si je redescends celui-ci, pour juste écréter un tout petit peu, vous voyez que j'ai juste des crêtes ici, pas beaucoup plus que ça. Alors là, maintenant, j'ai un peu plus d'air. Vous voyez un peu la forme ici, là. On n'est plus... C'est-à-dire, tout à l'heure, on était comme ça. Voilà, on était sur des espèces de parpaings, vous voyez, de carrés. Voilà. Là, si je redescends un peu tout ça, je vais avoir à nouveau des crêtes, vous voyez. Voilà, je vais continuer encore à descendre. Ah, vous voyez, là, déjà, on a descendu de 2 dB 4 LUFS. On était à -6, là, on est à -8,5. Donc je vais continuer.
Alors là, je vais par exemple ici réduire le volume ici de mon égaliseur sur le master. Donc, là, je suis à moins 12. Je vais enlever 2 dB. Et là, maintenant, je vais pouvoir commencer à remonter un tout petit peu ici mon L2, mon fa filter. Voilà, là. Voilà, ça respire mieux, vous voyez. Donc là, sans toucher réellement au mix, alors évidemment, vous voyez un petit peu comment s'écroule le mix. C'est-à-dire que là, on a plus de dynamique, le pied est plus fort quand il arrive, il y a plus de respiration. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut vérifier en faisant, par exemple, on peut se dire qu'on va bouncer, tiens, un petit bout. Tiens, je vais juste bouncer un bout pour voir. Ok, donc ça, j'exporte ça. Je vais le mettre dans le titre 13, le projet 13. On va faire sample, juste pour vérifier. Hein. Voilà, donc c'est master vinyle. Je vais mettre extrait. C'est pour vous montrer un peu la différence. Voilà. Et après, je vais vous montrer une deuxième chose. Là, on travaille sur le volume. Après, j'ai deux choses à prendre en compte pour le vinyle, qui est les graves, les aigus et la phase. Et une fois que vous aurez travaillé sur ces trois choses-là, le volume, la phase et les EQ, c'est bon, vous aurez votre master vinyle. Donc là, je suis en train d'exporter. Voilà, ça exporte. Et on va vérifier un peu ce que ça donne. On va rouvrir l'extrait. Alors, vinyle extrait, je l'ouvre avec Audacity, boom. Alors voilà, regardez ce que ça donne. Donc là, je n'ai pas fait l'intégralité, hein, j'ai fait qu'un bout. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir. C'est que là, je me retrouve maintenant à avoir une vraie... Enfin, vous voyez vraiment le rythme, quoi. On n'est plus dans du parpaing, quoi. Ah oui, vous ne pouvez pas l'entendre, vous, par contre. Il faut que je le reroute différemment. Voilà, donc du coup, là, vous avez une vraie... De la vraie dynamique, vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, on va travailler encore sur les deux dernières choses dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que le master vinyle supporte assez mal le fait que vous ayez des basses qui soient très stéréo. Parce que sinon, vous allez avoir beaucoup plus de largeur dans les sillons et vous risquez d'avoir des sillons. Si les sillons sont trop larges, ils vont s'overlapper et là, votre vinyle est foutu. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas. Donc, pour éviter d'avoir des sillons trop larges qui vont passer l'un sur l'autre, eh bien, vous êtes obligé de faire attention à la phase, c'est-à-dire la stéréo sur les basses. Alors, comment on contrôle ça? Alors là-dessus, je vais aller chercher un petit isotope. Je vais chercher ici le isotope 10, parce que j'ai fait des réglages quand même pour gagner un peu de temps quand même. Alors, isotope, le 10. Voilà, je mets ça sur ma piste master. Alors, je le mets évidemment avant... Mon limiteur L2, qui doit être le dernier hein, pour vous, puisque c'est ce qui permet ici, pour ceux qui découvrent ce logiciel, c'est ce qui vous permet ici, attendez, d'utiliser un niveau de sortie général. Donc là, on met par exemple moins 1, je le sors à moins 1 dB. Hop, ça c'est mon niveau de sortie de mon vinyle. Et alors, donc du coup, je reviens sur... l'isotope que je viens de mettre en place. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça va, vous suivez? Ça va, c'est cool? Ouais, ça va. Alors, on continue. Donc, j'enlève le maximiseur, bien évidemment. Les vierges, je vais rajouter deux éléments. Le premier, c'est que je vais vérifier la stéréo de ma basse. Donc, vous allez chercher un qui s'appelle l'imager. L'imager, je crois que je vous avais déjà montré comment ça fonctionnait. L'imager, ici, quand on fait lecture, ici, vas-y, fais lecture là. Il montre ici la phase. Et vous voyez ici, vous avez un petit triangle ici, là, 45 degrés des deux côtés. Ça, c'est le gauche et droite. Vous voyez, gauche ici et droite. Il est recommandé de rester dans ce triangle-là le plus souvent possible. Vous pouvez bien sûr déborder ici, comme vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle un peu hors phase. Mais ce n'est pas très grave à partir du moment où la majorité du signal est dans ce triangle-là. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse,
c'est de voir un peu ce que, comment réagissent les basses. Donc je vais faire deux bandes, vous voyez, faire une bande voilà, ici, et je vais aller me mettre aux alentours de 100 Hz à peu près. Voilà, 100 Hz. Donc là, la partie bleue que je viens d'isoler, là, c'est mes basses. Et donc elle est ici sur le potard 1. Quand je regarde en solo, j'écoute en solo, donc là moi j'ai que mes basses. Vous voyez que globalement la basse quand même, elle est bien, il n'y a pas de problème, elle n'est pas stéréo, elle est pas, vous voyez un peu la différence si jamais je pousse le stéréo, vous voyez un peu là comme elle se balade, là c'est pas très très bon pour un sillon de vinyle, parce que vous avez un truc qui bouge comme ça énormément. Il faut savoir que la phase dans les sons de les basses quand vous gravez un vinyle, c'est ce qui fait la largeur du sillon et qui fait qu'un sillon est tortueux ou pas. Donc du coup, sur cette basse, sur cette bande de fréquence, voilà, je vais pouvoir le redescendre ici mon potard pour mettre un peu plus mono. Et vous voyez ici, là je suis bien droit. Là je vais avoir un sillon qui va être assez fin et je ne vais pas avoir un sillon qui peut overlapper ou qui peut être très, très large. Vous voyez. Donc là, j'enlève le solo, j'écoute l'ensemble. Si vous êtes curieux, par exemple, de savoir, par exemple, les synthés. Alors, vous voyez, les synthés, eux, par contre, c'est moins problématique. Ils peuvent être un peu plus partout dans la stéréo. Et tout ce qui est extrême aigu, bien souvent, l'extrême aigu est même encore beaucoup plus à l'extérieur, vous voyez. C'est ce qui fait un peu cette impression de largeur stéréo. Voilà. Alors, je réponds à ED, est-ce qu'on ne perd pas de la largeur stéréo? Alors, on ne perd pas de largeur stéréo parce que la largeur stéréo en psychoacoustique, c'est quand même plutôt ces bandes-là, l'extrême aigu et l'aigu, que les graves. Il est très très dur d'identifier une largeur stéréo avec les graves, sauf si tu n'as qu'une seule basse, comme dans OVP par exemple, quand j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu des problèmes quand j'ai gravé l'album OVP, c'est que j'avais beaucoup de basses avec de la phase et des choses comme ça, il a fallu que je refasse un master de dingue. Voilà, donc du coup, bah alors là, on peut, voilà, on peut se dire, on écoute, voilà. Voilà, donc du coup, bah là, je me retrouve à avoir ramené ma basse au centre. Très, très bien pour le vinyle, parfait. Maintenant, je vais rajouter un deuxième élément, qui est un égaliseur. Alors, pourquoi égaliseur? J'arrête. Égaliseur, c'est que quand vous faites un vinyle, il ne faut pas que vous ayez des grosses sifflantes. Vous avez les tss, ce qu'on appelle. Alors, je pourrais mettre un DSR, mais j'aime pas du tout le concept du DSR. Si vous rajoutez, si vous contrôlez mal tout ce qu'il y a au-dessus de 15 000 Hz et que c'est très fort, vous allez avoir des sifflantes de dingue qui sont des tss, des trucs très désagréables dans le vinyle. Et même chose sur le grave, il est très peu recommandé d'avoir des infrabasses. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de 30 Hz, ça c'est sûr, c'est pas bon. Mais même, c'est même conseillé de faire une petite courbe à partir de 50 Hz pour le vinyle. Alors c'est sûr que quand vous allez écouter le vinyle par rapport à la plateforme de streaming, si vous étiez en faisant une égalisation, la même égalisation sur les deux supports, vous allez vous dire « Ah ouais, le vinyle, il manque de grave, il manque d'aigu. » Mais il faut savoir que les préamplis qui sont dans les platines vinyle et les préamplis de console, les choses comme ça, remontent un peu les graves, un peu les aigus. C'est ce qu'on appelle, ils font une espèce de cuvette, vous voyez un peu. C'est-à-dire que ça remonte un peu les graves et ça remonte un peu les extrêmes aigus. Et c'est pour compenser ça. Donc, de toute façon, physiquement, il faut qu'on travaille ça. Alors ici, je me suis fait un petit réglage. Voilà, custom réglage Joachim. Vinyl Master 2. Donc voilà, Vinyl Master 2, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait une courbe avec ici. Je démarre à 100 Hz et j'ai un low shell, c'est une courbe un peu douce, vous voyez, qui va baisser mes graves. Et j'ai ici un brick low cut, qui est vraiment tout droit. Et là, je coupe tout ce qu'il y a au-dessus de 15 000 Hz. C'est-à-dire que 15, 11, voilà. Là, je suis tout droit, vous voyez ça. Donc, si on écoute maintenant ce que ça donne. Je vais monter un peu le volume, comme ça vous allez mieux entendre.
Alors donc, est-ce que ça manque? On peut muter pour voir. Ah, dans les graves, oui, un peu, ouais. Dans les aigus aussi, les extrêmes aigus, on perd un petit peu. Donc voilà, donc là, le master de mon vinyle est presque terminé. Maintenant, je vais contrôler un peu je vais contrôler une dernière chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ça. Donc là, maintenant, mon master est différent. Vous avez compris que j'ai changé pas mal de choses, que ce soit dans les graves, les aigus et dans la phase. Et donc, je vais exporter tout ça. J'exporte ça. Je regarde juste ici. Quel est mon point de sortie? Mon point de sortie est ici. Voilà, je regarde, toutes mes pistes sont ouvertes. Oui, c'est bon. OK. Et là, j'exporte ça. Et donc, pour moi, ça, c'est mon master vinyle. Alors, j'appelle ça master vinyle. J'enlève extrait. Et puis après, on va le repasser à la moulinette et je vais vous montrer encore un dernier petit truc. Donc voilà, donc là, j'ai fait le master pour un vinyle. Ça m'a duré à peu près, ça dure à peu près un quart d'heure, le temps de réécouter et tout. Voilà. Bon, c'est rapide, hein, c'est pas très long. Mais ce qui m'a pris beaucoup plus de temps, vous l'avez compris, c'est que j'ai commencé à refaire des mix. Et c'est ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Je vais répondre à une question. J'ai vu une question tout à l'heure. Pourquoi tu n'as pas mis tes Air Monitor aujourd'hui? Tu veux vraiment que je te dise pourquoi j'ai pas mis mes Air Monitor aujourd'hui? Je crois que j'ai honte. Il y en a un qui connaît la réponse, qui est en train de se marrer comme une baleine, qui est ici. Regardez là, il se marre comme une baleine. C'est qu'on a le même problème tous les deux. T'as ton micro qui est coupé. On a un peu le même problème tous les deux, surtout toi. Voilà, non, alors pourquoi j'ai mis les casques? C'est pour tenir les cheveux parce que j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. C'est l'enfer. Donc voilà, donc j'ai les cheveux qui sont horribles, ça part dans tous les sens. Donc j'ai dit, voilà, le casque, c'est pas mal, ça masque un petit peu. Mais bon, voilà, je me suis fait démasquer. Voilà, j'en profite. Tiens, est-ce qu'il y a des questions sur Discord le temps que je suis en train de faire l'export là? Est-ce que vous avez des questions sur le mastering vinyle? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je sais qu'on a des spécialistes à bord maintenant, hein. Non, c'est bon, une question. Si, j'ai une question, moi. Là, tu es en train de faire réellement le 13 ou tu fais juste un truc comme ça? Non, je fais réellement le 13. Mais je n'oublie pas que le début, je t'ai dit qu'il y avait un pic. Ah oui, j'ai pas regardé ça. C'était sur celui-ci? Ouais. Ah, je vais regarder tout de suite alors. Ah ouais, voilà, tu vois, comme quoi. Bon, j'attends, Attends. Marco qui a donné le... Alors, attends, je vais regarder maintenant. Tiens, j'arrête. Hop. Alors, il y avait un problème sur quoi? Sur l'intro, tu veux dire? Ouais, la première note, si tu regardes sur... La première note de cloche, tu veux dire? Ouais. Alors, je pense que c'était aussi dû à la compression un peu abrupte que j'avais mis, parce que là, sans la compression... Ah oui, si, t'as quand même l'attaque de la cloche, oui, c'est vrai. Alors, on va tricher un tout petit peu sur ça. Regardons ça. Voilà, alors soit je fais un petit truc comme ça, fais voir. C'est pas toute cette note là, c'est l'attaque de la note. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est l'attaque, toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça durait que 0,03 secondes, hein, on est d'accord, hein, c'était pas l'ensemble de la note. Hein. Bon, ok. Non, c'était juste le départ, quoi. Ouais. Ok, donc je bounce ça. Hop. Mais de toute façon, je pense que là, je vais être obligé de refaire un passage. Mais je voulais montrer un peu pourquoi je suis obligé de refaire un passage. Comme ça, les gens savent bien. Master vinyle, hop, ça sauvegarde. C'est ok. Donc, il y avait d'autres questions il y avait des questions sur le mastering ou pas? J'avais vu qu'il y avait tout à l'heure quelqu'un qui levait la main dans le Discord. Non, 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon? On peut continuer? On peut continuer. Alors, faut-il uniquement agir sur les compresseurs limiteurs de la piste master et non sur les compresseurs présents sur les pistes instru? Alors, moi, c'est une réponse à Holder Grand. Je te conseille de travailler que sur ton master parce que sinon, tu es obligé de refaire entièrement ton mix. Alors, c'est faisable, hein, mais normalement, si ton mix est bien équilibré, c'est pour ça que je vais...
Il y en a qui s'obtiennent des vinyles qui montent à 30 kHz et le monsieur coupe au-delà de 15 kg. Bah ouais, moi je coupe à 15 kg. Ouais. C'est recommandé, je suis désolé, hein. Il faut pas aller au-dessus de 15 kg. Alors, pourquoi je perdais le fil là Ah oui, j'étais en train de dire, c'est ça. Je vous ai expliqué la première chose quand on a commencé à faire de la prod ensemble, je vous ai dit, quand vous commencez une session, mettez énormément d'air, énormément de headroom. C'est-à-dire qu'il faudrait que quand vous avez votre pied et la basse qui joue, que vous soyez à moins 10 dB, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on dit que ça... Alors, et donc, du coup, oui, il faut garder beaucoup de headroom parce que du coup, c'est sur le master que vous allez remonter l'ensemble. Et donc, du coup, ça vous permet de descendre et de donner plus d'air sur le master sans avoir à toucher vos pistes intermédiaires. J'essaie de répondre aux questions. Joachim, je me trompe peut-être, mais retoucher le son comme tu as fait, ce n'est pas détruire un peu l'original. Non, ce n'est pas détruire l'original, c'est détruire la puissance de compression de l'original. C'est-à-dire que ça va être moins dans ta gueule. C'est comme ça que le truc est comme ça, hyper proche, comme ça, quand vous l'écoutez, comme ça. C'est moins, ça, il y aura plus d'air, plus, mais le ratio entre les pistes devrait rester plus ou moins le même. Évidemment, ça avait été un peu modifié. Mais comme on passe à travers le vinyle et que le vinyle change le son, le vinyle, c'est pas exactement le même son que ce que vous entendez là. Il faut penser que vous passez à travers un support, à travers une aiguille, à travers un truc physique, à travers un sillon. Et donc, c'est pas la même chose. Et donc, toutes ces petites choses-là font que ça va reprocesser un tout petit peu. Et on va revenir pas équivalent, heureusement, mais un peu différent, c'est vrai. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Ou alors, il faut dire qu'il faut faire des masters à moins 14 dB à l'UFS, mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo, que c'est une hérésie, que c'est impossible. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai fait mon export, je vais aller écouter, je vais les rouvrir. Et on va pouvoir comparer les deux. Alors, donc, je vais comparer mon master vinyle. Alors, pas extrait. Master vinyle. Ah oui, 14h02. Donc, c'est celui-ci, je disais. Non, mais ça n'a pas changé. Attendez, je vais fermer toutes les fenêtres inutiles. C'est que je commence à avoir beaucoup de trucs, là. Alors, de toute façon, vous allez voir. Alors, donc, je mets master vinyle 14h02. Ça, c'est celui que je viens de faire. OK, je l'ouvre. Vous allez voir que là, on va même pouvoir monter un peu plus, quand même. Hein, parce que là, j'étais un peu... Et on va prendre... le master, comme ça vous allez voir les deux courbes. Ok, alors vous êtes prêts, c'est parti. Donc ça c'est la version de ma clé USB. Ok, vous avez vu un peu la taille du bousin, hein, bien parpaing. Et maintenant, regardez ce que j'ai fait pour le vinyle. Alors j'ai un peu abusé, mais regardez ce que ça fait. Oh, il est tout beau et tout skinny. Donc vous voyez un peu la différence. Là, effectivement, je vais pouvoir monter un petit peu parce que là, j'ai un peu abusé quand même, vous voyez. Vous voyez un peu la forme. Idéalement, il faudrait qu'on ait des pics qui soient... là, j'ai pas assez... Je vais mesurer le LUFS, mais là, je dois être super bas, vous allez voir. Alors, mesure. Voilà, moins 18. Alors, moins 18, c'est un peu bas. Ça, c'est le LUFS. Il faut au moins que je remonte à moins... 12 pour le vinyle à peu près. Donc là, du coup, deux possibilités. Soit on peut le faire à partir de d'ici. C'est-à-dire que si je fais ça, hop, et je vais faire effect, je crois qu'on peut le faire ici dans effect, volume et compression, loudness normalisation, voilà. Et je dis par exemple, tiens, remonte-moi à moins 12 LUFS, voilà. Faisons ça. Donc voilà, là il m'a remonté à moins 12 LUFS, donc il a fait une remontée générale. Voilà, regardez. Et là, ben voilà, là, ça ressemble quand même beaucoup plus. Alors, on écrète un peu ici, mais je pense que c'est pas mal. Bon, je vais écouter ça. Mais voilà, donc vous voyez un peu la forme là. Donc là, vous comprenez un peu mieux. J'étais descendu très bas. Voilà, vous voyez un petit peu la différence maintenant de forme. Je vais retravailler un petit peu mieux ça et je vais surtout réécouter bien. Mais c'était pour vous montrer un peu le principe. C'est que là, du coup, c'est un master vinyle qui est vraiment... plus différent que celui-ci, qui est vraiment le master où vous n'avez pas du tout de dynamique. Enfin, vous avez très peu de dynamique. Là, j'ai beaucoup plus de dynamique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus des parties plus faibles et plus gras et plus
forte. Mais là, ce qui me dérange un peu, je vous le dis, hein, c'est que là, ça me paraît vraiment faible quand même, voyez. Donc du coup, je pense que je vais refaire un petit mix, un petit peu. C'est-à-dire que je vais remonter un peu cette partie-là, mais je vais le faire en écoutant ici dans ma session. C'est-à-dire que ici, je reviens ici. Je vais dire, tiens, la partie de break ici, qui est ici, qui est, je trouve qu'elle est un peu faible, là. Là, peut-être que ça mérite de reprendre un tout petit peu le L2 qui est ici. Vous voyez? Et de remonter un peu, c'est-à-dire de faire un suivi d'L2, par exemple. Voilà, moi, je préférais qu'on ait un son un peu comme ça, vous voyez? Un tout petit peu écrété, quoi. Et donc, quand j'arrive ici, par exemple, regardez. Là, c'est très bien. Par contre, je pense que je vais pouvoir rajouter du L2. Quand j'arrive ici dans le break. 5, 6, 7, 8. Et là, je monte. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut monter un petit peu, vous voyez, suivre. Voilà, vous voyez. Là, je le suis à la main. Et c'est plus naturel, vous voyez. Et du coup, je ne vais pas me retrouver avec cette espèce de trou, vous voyez. Donc, je vais faire une automation sur le L2. Voilà. Et donc, du coup, sur mon L2 ici, hop, je vais me retrouver à écrire des données qui vont me permettre après de pouvoir faire un suivi, vous voyez. Mais pour ça, il faut l'écouter et il faut l'écouter dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut écouter, il ne faut pas mixer à partir d'ici. Il faut mixer 40 secondes avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ce que je vais faire. Le true peak pour le vinyle. Alors, le true peak pour le vinyle, c'est moins 2, moins 3 à peu près. Moins 2, moins 3. Hein. Il ne faut pas être au moins laissé, quoi. Pourquoi tu ne compresses pas ? Ben justement, j'ai expliqué pourquoi je ne compresse pas, Marco. Parce que ça, c'est ce que je vais faire à la main. Je préfère le faire, je vais compresser, mais intelligemment, en suivant avec les oreilles, en écoutant, pour que ça soit le plus naturel possible. Ça, je voulais vous... Donc, je vous ai montré, je ne l'ai pas fini comme ça, parce qu'il faut que je le fasse un tout petit peu mieux. Et puis, surtout, il faut que je le fasse depuis le début, que je réécoute depuis le début, parce que je pense que le début aussi est très faible, quand on écoute le début, par exemple. Vas-y. Voilà, quand je suis au début ici, sauf la cloche qui était un peu forte, là, donc. Mais là, ce que je vais faire un suivi avec le Pro L2. Je voulais vous montrer deux choses importantes aussi dans cette session. Je voulais vous montrer des modifications que j'ai faites sur les morceaux. Voilà, parce que quand j'ai commencé à faire le mastering, je me suis rendu compte que certains titres, je n'arrivais pas à les jouer. Par exemple, j'étais hyper déçu de me dire que le premier morceau de l'album, j'avais essayé, j'étais pas très excité de le jouer. Je dis, mince, ça m'excitait pas plus que ça de le jouer. Et je me dis, c'est quand même dommage que premier titre de l'album, si jamais j'arrive pas à le jouer en club ou en festival, c'est qu'il y a un problème. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais refaire un mix. Et j'ai commencé à faire un mix hier. Enfin, un mix, et du coup, j'en ai fait un remix. Je vais vous montrer, j'ai fini. Je vais vous partager ça avec vous. Donc, le titre 1, est-ce que c'est chez moi où le volume monte et descend? Ben, je ne sais pas. Si c'est le micro, ce n'est pas normal. Moi, c'est tout le temps pareil. Si c'est la musique, oui, parce que c'est moi qui joue avec le volume pour pouvoir parler par-dessus. Donc, alors, je vous montre un petit peu la nouveauté du titre 1. Titre 1. Alors, c'est parti. Je vais juste ici choisir dans mon master final, ici, il faut que je lui indique les locate, locate user, locate 1, 9, 12, 15, skip all, boom, preset, GG 16. Voilà, donc là, j'ai mes 16 titres. Ok, alors donc, je vous fais... Donc le 1, vous vous souvenez le 1, j'étais pas très content de l'intro parce que c'était pas assez péchu pour moi et puis je trouvais
que le son du pied n'allait pas avec le reste de l'album. Donc j'ai modifié le son du pied, puis après j'ai changé le son de la basse, et puis après je me suis retrouvé à faire un nouveau mix. Est-ce que je peux vous faire écouter la précédente version? Tiens, voilà, je vais vous faire écouter, comme ça vous allez vous rendre compte. Donc la précédente version commençait comme ça. Avec un pied très grave. Une montée. Et j'arrivais dans le thème. Et ça, j'arrivais pas à le jouer comme ça. C'était un petit peu trop doux pour moi, vous allez voir. Ça, j'aimais bien cette partie. Toute cette partie-là était super. Franchement, j'aimais bien. Mais après, quand ça partait, je crois que ça partait pas assez fort. Vous voyez, je vous fais écouter. Voilà, on y arrive. Ici, là. Alors là, il y avait un côté un peu hypnotique qui était pas mal. Mais un petit peu différent des autres titres de l'album, vous voyez. Ok, donc du coup, j'ai dit, je vais faire autre chose. Et donc, je vous propose la nouvelle version qui commence comme ça. Alors, qui commence comme ça. Alors, j'ai rajouté une basse différente, vous allez voir. Nouvelle basse à contre-temps pour être un peu plus en comment dire. Plus facile à mixer aussi en tempo. Et puis plus hypnotique quoi. Voilà, ça c'était très bien, j'ai pas changé ça bien évidemment. Mais quand ça repart vraiment, quoi. C'est ce qui me plaisait, ouais. Et là, du coup, je vais le jouer, ce titre-là, voilà. Avec Alan, avec Vesano, les co-compositeurs, Underground aussi. Et quand on revient avec le pied basse, là, on est vraiment dans un univers que je voulais vraiment pour cet album. Ça monte, tu vas voir là. Et là, je pense que ça fait bien danser, ça. La charlet est hyper forte de l'avoir. Et en ouverture d'album, je pense que c'est beaucoup mieux, quoi. Les claps. Tout très fort, quoi. Un peu plus BBE, années 90, quoi. Les montées charlet, là. Ah, le break. Et là, je suis très excité de pouvoir le jouer en club, ça, maintenant. Et en festival, bien évidemment.
Donc ça, c'est donc la nouvelle version du titre 1. J'ai gardé un petit break de mix pour la fin pour pouvoir enchaîner. Voilà, enchaînement. Alors c'est assez court hein, parce que vous savez, on est sur un vinyle et donc on n'a pas beaucoup de place. Voilà, donc ça c'est la nouvelle version du 1 et ça sonne plus actuel, en tout cas plus en adéquation avec le reste de l'album. Parce que vous l'avez compris, ce titre-là, on l'avait fait en septembre. Et de septembre à mars, des nouvelles personnes sont intervenues. J'ai commencé à trouver un peu plus la direction artistique de l'ensemble de l'album. Et du coup, celui qui a été fait le premier, il était un petit peu isolé du reste, quoi. Donc j'ai dit, bon, je vais refaire celui-ci. Et du coup, j'en ai refait deux autres. J'ai refait deux autres titres dans la foulée parce que je me suis dit, bon, bah, quitte à faire, il faut que ce soit cohérent. Donc, effectivement, j'ai refait aussi le 9 que je vais ouvrir avec vous. Le 9 qui est la master. Donc, j'en ai refait 4 comme ça pour que ça soit vraiment beaucoup plus cohérent avec l'ensemble de l'album. Parce que je me suis dit, on manquait un petit peu d'unité. Quand je me baladais d'un titre à l'autre, quand je revenais sur le 1, j'ai dit, oh non, mince, ouvrir l'album avec ça, c'est pas terrible. Alors que maintenant, cette version-là, waouh, je suis trop content. Le premier titre qui ouvre ça, ça donne bien la couleur à l'ensemble, vous voyez, au général. La même chose pour le titre 9. Hein, titre 9, j'ai repris un peu la même formule de la basse à contretemps, AC90. Parce que j'adorais ce titre-là, et pareil, quand je l'avais joué, je trouvais qu'il manquait un peu de dynamisme et de clarté dans certains éléments, donc j'ai refait un mix, et j'ai refait un remix du coup. Avec une nouvelle basse, avec une petite basse de bassline TB303 là. Et un pied un petit peu plus droit. Et puis des éléments plus précis, par exemple la chasse là, quand elle rentre, vous allez voir. Les cloches bien devant. Et j'ai pu monter un peu plus les claviers aussi parce que j'avais plus de place, vous voyez. C'est ce qui me manquait, c'était un peu brouillon. Arrivée de la voix, pareil, okay. Plus mise en valeur aussi. Voilà. Un petit peu moins traité la voix aussi. Quand le pied revient, les choses ont plus leur place, vous voyez. Donc ça, c'est le titre numéro 9 avec cette nouvelle version. Et un nouveau break. Un délai sur la voix, un peu plus d'effet, quoi, plus propre un peu.
un peu plus d'air aussi, parce que comme j'ai fait les versions pour le vinyle, j'ai donné un peu plus de dynamique à l'ensemble. Pas vous le faire écouter en entier, mais voilà. Donc j'étais parti sur une nouvelle version du 9 pour justement mieux s'intégrer dans l'ensemble, parce que quand on va écouter les différents titres de l'album maintenant, quand vous regardez ici grâce à ADPTR, vous savez, ADPTR, c'est ce qui permet de se balader d'un morceau à l'autre. Alors sauf que là j'ai rechangé du coup les morceaux à chaque fois, donc il me demande voilà, attendez, donc ça c'est le 1, c'est celui-ci. Il me demande le 9, c'est celui-là, et le 2, c'est celui-là, et le 15, parce que j'ai refait aussi le 15, c'est celui-là. Voilà. Donc du coup, quand on se balade un peu dans l'album, donc là c'est le titre numéro 9, c'est celui-ci, donc... L'idée, c'est est-ce que ça va bien avec le 1. Voilà, la nouvelle version du 1. Voilà, c'est un petit extrait, mais vous comprenez, on est dans... Voilà, c'est un peu cohérent, quoi. Le 16. Nouvelle version du 16 aussi. Alors voilà, donc du coup, j'ai refait plusieurs titres comme ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'une meilleure unité dans l'album. Et c'est pour ça que j'ai pris du retard, parce que je voulais vous faire la vidéo sur le mastering vinyle. J'ai pas eu le temps parce qu'il faut d'abord que j'envoie la fabrication du vinyle, parce qu'on a forcément ce nombre de semaines minimum pour fabriquer tous les vinyles. Vous avez vu le temps que ça prend pour faire chaque vinyle, même si c'est automatisé, ça prend un temps de dingue. Je voulais vous ouvrir la session. Bon, le 15, je vous ai fait écouter, c'est une nouvelle version. Je vais vous faire écouter le 2, nouvelle version. Alep, 2, nouvelle version. Save. Donc voilà, c'est pour ça que... la caméra est encore décalée. Bon, j'espère que ça n'a pas planté. J'essaye, 1, 2, 3, attention. Ouais, je reviens sur la caméra. 1, 2. Et c'est bon, ça a recalé. Oui, alors je disais... C'est pour ça que ça prend pas mal de temps, en fait, quand tu fais un album, parce que vous voulez que tous les titres soient uniformes, globalement. Enfin, on a envie qu'il y ait une vraie unité. Et là, c'était un peu compliqué de faire une unité avec vous tous, parce qu'il y a plein de gens qui sont d'un univers différent, quoi. J'en profite pour aller faire un petit tour sur Discord pour voir... Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à la co-composition des titres que je viens de remixer ou pas? Je regarde. Alors, regarde, si... Ben oui, il y a Vesano qui t'as reconnu ton titre ou pas? Allez, ouvre ton micro. Voilà. Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ça va? Ouais, ça va, merci. Bon, est-ce que c'est validé ou pour toi le remix ou pas? Enfin, la nouvelle version? Bah écoute, c'est très très bien et tu fais bien de... C'est étonnant parce que tu vois, j'ai envoyé un mail à Alan qui avait participé aussi à ce titre. Ouais. Et je lui avais demandé justement les parties que lui, il avait faites, parce que je voulais aussi refaire une réédition de ce morceau avec un autre drop. Ah bah c'est super. Mais on va faire des remix. Ouais. On va faire un espèce de concours de remix après. Mais c'est une bonne idée. Justement. Ouais. Ouais, parce que je trouvais que le... Alors aussi, bah moi aussi, toi, qui pourtant était dans le truc quand on a fait le morceau, mais au final, en voyant les autres morceaux arriver, bah quand tu fais le remake de tout, c'est vrai qu'il était un peu éloigné. Donc, ouais, Bon, je pense que là maintenant ça fait une belle ouverture d'album, tu vois, c'est ça qui est important. Ouais, aussi, parce qu'en plus c'était le premier d'un album, donc tu vois, c'était important qu'il représente bien ce que tu vas retrouver dans les 16 morceaux, parce que là je le trouvais vraiment comme toi, j'avais la même sensation, je trouvais ça un peu différent, quoi, trop différent, trop éloigné.
Ouais, c'est ça, trop éloigné. Ouais, et du coup, là, je l'ai ramené un peu plus. J'ai changé le pied pour pouvoir justement que ça soit cohérent avec l'ensemble. Je vois que toi, il y a déjà des gens qui. Est-ce que tu peux nous la remettre, s'il te plaît? Oui, je vais vous la remettre. Ah, et tout de suite, ils veulent réécouter maintenant, tout de suite. Alors attention, hold verse. Alors, regardez, c'est celle-ci. Voilà, attends, j'avance. Voilà, j'avance, j'avance. Disque à la demande. Demandez vos titres. Oui, de la part de Den Capé pour tous les Space Invaders. Voici le titre avec Arnaud Vesano. J'avance. Voilà, bon, bref. Bon, en tout cas, je suis content que je ne sois pas le seul à avoir justement ce sentiment. Et c'est pour ça que je me suis permis de retravailler les morceaux. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de retard. Mais ça sera tout fini ce week-end. Et hop, ça part lundi au mastering. Ça part en fabrication du vinyle. Est-ce que tu viendras le 15 juin à Electric Park? Est-ce que tu seras avec nous? Bien sûr. Ah, génial. Bon, ben c'est super. Bien sûr. Il y aura des surprises, mais on n'a pas le droit de le lire. Hein. Tu es au courant. Hein, il faut pas. Non, on les dit pas. Il y a des surprises, mais on n'a pas le droit de le lire. Ok. Bon, ben merci. Et puis, ben écoute, à plus tard. Et puis, et du coup, si j'ai une question à te poser, maintenant, est-ce que tu vas continuer sur le label Underground Music? Est-ce que tu vas nous proposer des musiques maintenant? Je vais t'en proposer. Alors après, mon univers à la base n'est pas techno à 135, 138 BPM. Non, mais tu peux être Mais un j'ai peu plus des. bas. Hein. Tu peux être un peu plus bas. 130, c'est pas mal. Ouais, ok. Mais j'ai des maquettes hein, dans mon disque dur. Hein, donc, D'accord. bien sûr, je vais t'envoyer des D'accord. démos. Ouais. Ok, super. Bon, bah écoute, Ok. j'attends ça avec impatience. Ok? Ça marche. Allez, à plus. À plus. Ciao. Alors donc, ben voilà, du coup, tiens, j'en ai profité, j'ai téléchargé, hop, le titre 2. Alors ça, c'est la nouvelle version du titre 2. Alors je vous fais écouter l'ancienne version. Allez. Donc l'ancienne version, ça ressemblait à ça. Et j'avais un peu le même sentiment. C'est-à-dire que c'était un titre qui a été fait au mois de septembre aussi. Hein. Alors c'est propre, hein, j'avance. Hein. Donc celui-ci était assez proche des derniers qu'on a fait, quoi. Donc, ouais. Donc là, j'ai juste fait un nouveau mix un petit peu plus. Voilà, avec un peu plus de grave sur le pied, là vous entendez. Et un petit peu plus de stéréo. Et j'ai remis quelques claps un petit peu plus old school pour ramener ça dans les 90. Alors, donc, dans les co-compositeurs, j'ai Oniric Dreamer, j'ai Markovitch, j'ai Low Bass. C'est tout. Ah non, il y a aussi le cri. Ah oui, le cri de Low Bass. Ça, c'est l'arnaque du siècle. Hein. Le mec, il a trouvé le bon sample. Donc, j'ai changé, par exemple, juste le son de la HH, un peu plus techno. C'est beaucoup plus proche de la précédente version, hein. Ah, j'ai changé le pied là, j'ai fait un pied avec de la distorsion ici là. Vous allez voir. Je voulais faire un pied un peu hardcore là. Bon,
Bon, c'est un peu fort, hein. Je suis en train de le mixer. Hein. Voilà, et puis retour à la partie. Voilà, vous avez compris, il y a assez peu de modifications dans celui-ci, mais je fais un petit relifting de certains titres pour qu'ils soient plus cohérents avec l'ensemble de l'album, et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que hormis le fait de faire la version vinyle, je me retrouve à faire un nouveau mix quand même pour le streaming, et puis je dois vous faire cette sacrée vidéo sur le streaming, parce que c'est vrai qu'il y a un sujet à faire là, qui est incroyable, sur le mastering pour les plateformes, et ça concerne 99,9% des gens. Arkiska qui dit j'ai pris peur, je ne me voyais plus sur ce titre-là. Alors, est-ce que tu étais sur ce titre-là? Mais non, tu n'es pas là. Mais si, je pense que tu es là. Regarde Arkiska, tu es ici. Voilà, il a eu peur. Il est là, ici, là. Voilà. N'aie pas peur. Un peu plus hardcore, mais bon. Voilà. Alors, en sachant que pour celui-ci, je vais avoir un petit problème. C'est la basse. Parce que la basse, elle est signée Markovitch ici. Et alors ça... c'est que de la stéréo. Et alors, j'ose même pas imaginer la phase. Je vais aller voir la phase. C'est-à-dire que ça, pour le vinyle, c'est l'enfer. Je vous le dis tout de suite. Je vais aller voir tout de suite ce qu'il en est. Je vais mettre un petit imager là-dessus. Vous allez voir. Alors, Ozone Imager 10. Voilà. Regardons un peu ce que ça donne, là, cette basse. Mais à mon avis, ça se balade bien gauche-droite, bien fort. Écoutons ça. Ah ouais, alors là, vous voyez... Alors bah tiens, c'est un très bon exemple, vous voyez. Donc là, vous voyez cette basse, elle est très peu dans le triangle ici, elle est plutôt à l'extérieur du triangle, vous voyez. Et donc si par exemple, je mets ça en mono, vous allez voir qu'on n'entend presque plus la basse. C'est-à-dire que là, je vais switcher volontairement en mono ici. Et maintenant, on écoute ce que... Ah ouais, là c'est tout pourri. Ah ouais, donc... Alors, si je réduis, voyons voir. Ah, ça va être compliqué. Hein. Non, comme ça, quoi. À 60%. C'est-à-dire que là, c'est stéréo et on va revenir. Ouais, quand je vais faire le mastering du vinyle, je vais m'amuser à cause de la basse. D'ailleurs, je vais tout de suite en parler à notre ami Markovitch que je vois ici. Qu'est-ce que c'est que cette basse stéréo? Avec de la phase gauche-droite. C'était pas pour le vinyle, je crois, là-bas. Ah oui, c'était pas, voyez, c'était pas pour le vinyle, là, parce que là, ça va être sympa. Non, par contre, je peux te la refaire en corrigeant la stéréo dans le bas, si tu veux. Ah ben, pour que ce soit bien ouais. Pour le vinyle. Ouais, tu peux tu me fais un truc comme ça, tu vois, un joli vase, comme ça, tu vois. Je vais essayer, j'ai mon Mac, là, j'essaie de te faire ça tout à l'heure, si tu veux. Bah, c'est cool, ouais. Si tu peux me le mettre après dans la drop, ça m'arrange, hein, joachimgaro.com/in. Ça me permettrait effectivement de faire le mastering pour le vinyle, que ça soit clean. Bon, après, je pense pas que ce soit un gros problème quand même, parce qu'elle n'est pas non plus hors phase, tu vois. Mais c'est sûr qu'on va quand même... C'est quand même prendre un risque de la laisser comme ça, telle qu'elle pour le vinyle. Je suis obligé quand même de la... Ah non, mais elle est trop large, ouais, c'est clair. Ok, bon, ben super. Ben merci. Oh, c'est cool. Heureusement que tu étais en live. Comme ça, je demande les choses en direct. Ça va plus simple. Merci. Ça va, Chloé? Je dis bonjour. Hein, oui, très bien. Ouais, bonjour, très bien. Ouais. Très bien, parfait. Marco, bon. Il est là, donc ça va. Oh là là là, ça vanne, hein. Bravo. Hein. Bah, dis donc, le Discord, hein. Bravo. Hein. Bon, merci. Bon, bah, écoute, j'attends ta basse quand tu peux, ok? Merci. Voilà, donc bah, vous avez compris, là par exemple sur ce titre 2, effectivement ce titre 2, bah, la basse de Markovitch est très bien, parce qu'en stéréo ça marche super, mais effectivement quand on la passe en mono,
Et vous avez compris, je vous ai expliqué durant cette session que c'était important quand on fait un vinyle de masteriser différemment et de faire attention à la phase de la basse. Et je vois, regardez, je le vois regarder, il est en train de s'affairer, il est en train de chercher son Mac, il dit attends, attends, je vais te refaire l'export. Non, mais c'est sûr que si il peut me mettre le grave de la basse en mono, ça sera beaucoup mieux. Pour le vinyle, je ne serai pas obligé de refaire toute une espèce de trafic. Bah voilà, je crois que je vous ai un peu tout partagé. Je regarde, je vais aller tout de suite me retourner vers Monsieur Evan Gastel. Alors, il y a des gens qui se posent la question. Evan Gastel, il est différent de Sylvain? Non, c'est la même, mais c'est un mec, il a quand même deux. Enfin bon, c'est un mec, il a deux, trois personnalités différentes. Il y en a un, il parle pas français, il y en a un, il va bientôt nous quitter. Il y en a un qui perd ses cheveux. Là, il perd ses cheveux. Ah d'accord, je vois que ça vanne, ça vanne. Van. Donc voilà, écoute, alors oui, dit les nouveautés des plateformes, il y a Ed qui dit ça. Attends, bon, alors, je reprends l'antenne. Excuse-moi, je reviens, Monsieur Evan Gastel. Parle à Sylvain, lui que j'arrive. Alors dans les nouveautés des plateformes, vous avez compris que la semaine dernière, il y a eu une réunion entre Spotify, YouTube et Apple Music. Je n'étais pas convié. Ils ont rediscuté un peu des normes, ce que je vous ai montré tout à l'heure de LUFS. Vous savez, si jamais vous êtes producteur et que vous envoyez régulièrement des titres en vente sur les streamers, enfin, vous mettez régulièrement des titres sur les plateformes de streaming via un agrégateur de contenu ou un distributeur, eh bien, vous faites un master et quand vous lisez les spécificités, vous découvrez que, par exemple, Apple Music, c'est moins 15 dB LUFS, YouTube, c'est moins 14, Spotify, c'est moins 14. Bref, Tidal, c'est du non compressé, Wave. Et bon, bref, il y a plusieurs normes en fonction des différentes plateformes de streaming. Et là, les trois qui sont réunis ont décidé de remettre à jour en ne mettant qu'une seule norme pour les trois. Alors, il s'avère qu'ils se sont mis d'accord sur du moins 14. Mais alors, du moins 14 dB LUFS, quand vous regardez la faisabilité avec de la musique électro, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible. Mais pas que électro. Pop, rock. En fin de compte, ça concerne le jazz et encore une certaine partie du jazz, et ça concerne la musique classique. C'est-à-dire qu'en musique classique, vous pouvez avoir moins 14 dB LFS parce que vous avez beaucoup de dynamique. Mais vous avez bien compris que si vous voulez avoir moins 1 dB de true peak, true peak, c'est-à-dire que c'est le maximum de là où vous allez, hein, si vous voulez avoir moins 1 dB de true peak, il est impossible de faire du moins 14. On a essayé, moi j'ai essayé pendant 2 jours. On a essayé dans plein de sens différents, avec différentes personnes. J'ai essayé avec Evan Gastel, j'ai essayé même avec des gens comme David Perrault qui fait du mastering assez pointu. On en a parlé. Et au final, personne ne respecte cette norme-là. Et c'est ça le gros problème, c'est que ils font des normes qui servent à rien parce que tout le monde, personne ne la respecte. Et là, ce que je suis en train de préparer, c'est une vidéo qui vous montre exactement que personne ne la respecte et que vous n'avez surtout pas intérêt à la respecter. C'est un truc de dingue que je vous dise ça. Je vais faire un essai sur un titre, mais sur un autre projet, où je vais volontairement uploader sur mon distributeur un titre qui sera masterisé exactement comme ils le veulent, à moins 14, et voilà, en essayant voilà, d'essayant d'avoir un true peak le plus proche possible de moins 1. Si on arrive à faire ça, on va pouvoir après écouter via les plateformes pour voir ce qu'il en est. Mais quand on va sur les plateformes aujourd'hui, vous pouvez analyser les titres qui font partie de ces plateformes-là. Personne ne respecte ça. Bon, bref, je vais faire une vidéo là-dessus et on fera, je pense, un direct que sur ça. Mais que sur ça, une fois que j'aurai publié la vidéo, parce que vous pourrez rebondir sur ça avec votre expérience personnelle. Mais là, il y a eu, quand on lit les différents forums et même j'ai la chance d'être aux États-Unis, donc d'avoir quelques connexions un peu plus facilitées avec des gens qui sont des ingénieurs qui travaillent dans les codecs, ce qu'on appelle la mise en place de codecs stéréo, codecs audio, c'est-à-dire des encodeurs pour Spotify, par exemple.
on se rend compte qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique et ça n'a rien à voir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que je vous fasse une vidéo vraiment claire et précise. J'ai commencé à récupérer un peu tous les éléments. Il faut que je fasse ça, il faut que je prenne du temps pour faire ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et quand je vous aurai bien fait cette vidéo, vous, producteurs qui faites de la musique chez vous, vous aurez les meilleures recommandations possibles pour avoir votre titre qui sonne le mieux et qui sonne exactement comme vous le voulez sur les plateformes. Je réponds à une question, c'était est-ce que tu fais un master par plateforme ? Alors, on est très peu à pouvoir faire ça. Moi, je ne le fais pas parce que je passe via un distributeur qui s'appelle Belief pour l'instant, qui, lui, envoie à toutes les plateformes. Et il distribue un peu partout. Voilà, YouTube Music, toutes ces choses-là. On en fait un master et ce master-là part sur toutes les streamings. Je fais un master pour le vinyle, comme je vous l'ai expliqué, un master pour ma clé USB, ce que j'appelle moi le master record box. Et puis, il y a le master streaming. Voilà, master streaming, il part sur toutes les plateformes, c'est pas moi qui le fais. Par contre, quand je travaille pour Jean-Michel Jarre et que j'ai la chance de, bah, comme là j'ai fait, j'ai travaillé avec lui sur le dernier album, Oxymore. Quand on a mixé Oxymore, la chance quand tu t'appelles Jean-Michel Jarre, c'est que tu parles directement à Apple Music et donc du coup, on a pu faire un master pour Apple Music. On a pu faire un master pour Spotify, on a pu faire un master pour YouTube Music, voilà, différentes choses comme ça. Et donc, on a suivi des recommandations. Et ça, j'ai fait ça, entre autres, grâce à David Perrault, qui est une personne qui a déjà intervenu dans mon live, qui est un ami qui a fait beaucoup, beaucoup de mastering et qui travaille aussi beaucoup pour les radios, qui a fait le son d'énergie, qui a fait pas mal de sons, même maintenant pour la télé, pour Radio France, des choses comme ça. Et donc, du coup, avec lui, on a pu faire plusieurs tests. Et c'est justement la synthèse de tous ces tests-là, plus la vidéo que je suis en train de vous préparer, que je vais mettre à disposition dans les prochaines semaines. Soyez un peu patients, mais je pense qu'on a besoin de clarté. Et le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas du tout de clarté dans ce domaine-là. Et les gens font n'importe quoi, font ce qu'ils veulent. Et après, soit ils sont déçus parce que ça ne sonne pas comme ils voulaient, soit ils se posent la question parce qu'ils disent « Tiens, c'est différent, on m'a dit quelque chose et je vois l'inverse. » Ben voilà, donc c'est pour ça que je voulais rétablir un peu une certaine vérité. Surtout que c'est d'actualité, puisque justement, il y a eu cette réunion la semaine dernière et qu'on ben, attend d'avoir une nouvelle circulaire. Quoi. Voilà. Ben, voilà, je pense que j'ai un peu tout dit, je réponds, je regarde. Est-ce que j'ai oublié des choses, Sylvain? Enfin, demande à Evan. Tu vas pas au Québec la semaine prochaine? Ah oui, tiens, oui. Ah ouais, tiens, ben ouais, tiens, c'est vrai, heureusement que tu m'en parles. Oui, c'est vrai. Alors, merci, j'ai oublié. C'est vrai que la semaine prochaine, je suis très heureux. Franchement, je suis très heureux. Je vais faire une date vendredi à Québec. Et je cherche ces lives du jeudi. Voilà, regardez, Québec, c'est là. Je suis content. Donc voilà, le club s'appelle Bira and Basta. Et c'est vendredi soir, vendredi prochain. Et je suis hyper, 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 hyper content. C'est un club électro-techno. Enfin, vous, sympa. Et en plus, alors, la belle histoire, c'est que j'ai communiqué un peu sur cette date-là. Et j'ai eu sur Insta, j'ai eu un message d'un Space Invaders qui m'a dit « Joachim, je t'ai vu à la Technoparade en 2006, un truc comme ça. Et maintenant, j'habite au Québec, c'est super, je serai là vendredi soir, je vais mettre mon t-shirt Space Invaders et tout. » Bon. Donc, je suis hyper content de faire cette date-là. On n'a pas réussi à caler une date comme on voulait à Montréal parce que je voulais faire Québec et Montréal. Et puis, la date à Montréal tombait pas très, très bien, malheureusement, parce que le club où j'ai l'habitude de jouer, qui est le New City Gaz, eh ben, c'était pas possible le samedi. Et j'avais qu'un seul jour de disponible, malheureusement. Est-ce que je vais redonner la parole à Sylvain ou à Evan, l'un des deux? Et... Non, c'est bon, on a fait le tour. Hein. C'est bon, on a fait le tour, hein. Je crois qu'on a tout dit. Hein. Ouais, okay, parfait, très bien. Bon. Donc alors, je récapitule. Electric Park le 15 juin, réservez bien, il y aura une surprise. Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. Attends, la semaine prochaine... Ah ben tiens, déjà, est-ce que la semaine prochaine, je peux faire une émission? Alors, quand est-ce que... attends, la semaine prochaine... Ah ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, les spécimens pour la semaine prochaine, parce que justement, jeudi, je vais justement au Canada. Donc, j'ai ça, je vole jeudi.
Attendez, je regarde à quelle heure c'est. 13h, ouais, ça va être complexe. Et puis en plus, vous changez d'heure là en France, là. C'est dimanche que vous reculez d'une heure, vous avancez une heure, enfin je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est heure d'été, voilà. Et donc, du coup, je pense que. Attendez, je serai à quelle heure hein? Peut-être que je vous ferai peut-être un petit direct jeudi après-midi. Enfin, peut-être plus. Je sais pas, ce sera pas plus tard. Je vois. Ou sinon. Ça pourra peut-être se faire le vendredi. Ah, ça pourra peut-être se faire, attendez, vendredi, il sera 6 heures de moins. Je cherche à voir quelle heure il sera à Québec, 3 heures de plus. Donc 6 à 15 heures. Ah, non, non, ça ne sera pas possible, je serai. Bon, je pense qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Je pense qu'au final, il ne va pas avoir d'émission la semaine prochaine. Bon, voilà, je pense que ça va être clair. Ou alors mercredi, entre 2h et 4h30 du matin. Là, je pense que ça peut être pas mal. Non, bon, de toute façon, sincèrement, il faut que je me concentre sur le vinyle. Je finis le vinyle pour lundi. Je vous tiens au courant via Discord si on fait une émission ou pas la semaine prochaine. Bon, en tout cas, ce ne sera pas jeudi à cette heure-ci, puisque je serai dans l'avion. Donc, ce ne sera pas possible. Et même, ça sera complexe. Ou alors, c'est beaucoup plus tard, un jeudi soir. Et ça risque de démarrer à 23h. Donc, ça n'a pas trop de sens, quoi. Voilà. Vous avancez d'une heure, c'est ça. OK. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Hein, et de toute façon. Je vous ferai un petit reportage sur comment ça se passe au Canada. Voilà. Bon, allez, ben, je vais finir. Merci à tous ceux qui ont participé là. Voilà. C'était super. Et je voulais aussi remercier tous les gens qui étaient dans Discord, qui sont là. Et je voulais savoir, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais? Ouais, The Mix 956 demain. The Mix 956 demain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très, très bien. The Mix 956 semaines. Non, mais c'est pas possible. Mytho. Je te crois pas. Ça fait 956 semaines. C'est toi qui l'ai 900. fait. Mais non. 956 divisé. Il y a combien de semaines dans l'année? Au moins 52. Oh, à Ouais. peu près. Ouais. Ça fait quand même 18 ans et plus de 18 À ans. peu près. Ça y est, The Mix est majeur. The Mix est majeur. 18 ans. Ouh! Génial. Bon, ben merci beaucoup en tout cas Discord. Trop content de vous revoir très rapidement. Peut-être la semaine prochaine, mais peut-être sur une heure décalée. Sinon, je vous invite à aller sur Discord, joachimgarou.com/Discord, parce que je fais des petites vidéos que je publie sur Discord seulement quand on parle de musique. Et là, j'ai encore un travail de fou. Il faut que je refasse la basse de Markovitch pour le titre 2. Enfin bon, bref, hein, je suis pas couché quoi. J'ai encore un travail de dingue. Merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne nuit et rendez-vous bah, la semaine prochaine ou en tout cas très bientôt sur Discord. Et un petit Daniel, bah, j'ai toujours. Ah non, attends, j'ai un nouveau Daniel. J'en ai un. J'ai un nouveau Daniel que j'ai reçu. Attendez, 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 attendez. Attendez. Déjà, je vous présente Daniel et puis comme ça, après, je vous en diffuse un autre. Daniel! Daniel! Non. Daniel! 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 Alors, donc, est-ce que j'ai retrouvé mon Daniel? Oui, j'en ai un là. Alors, donc, Daniel, je regarde celui-ci. Ouais, pas mal. Excusez-moi, je rigole d'avance. Donc, je regarde, est-ce que ça vous avez du son sur le Quick? Ouais, il y a du son. Alors, donc, voilà. Donc, mesdames et messieurs, un nouveau Daniel qui est arrivé et a donc signé Raphaël. Raphaël, mon frère, évidemment. Hein. Regardez, il est plutôt pas mal. Alors, un petit peu loin du public, mais une bonne portée de voix quand même. Je vous le fais. Regardez, c'est magnifique. Ça, c'est parti. Daniel! Daniel! Bon, il est un peu couvert par la musique. C'est un peu con, mais. Non, c'est pas un peu con. Oh, ça va, Raphaël, ça va. On n'est pas à ça près, de toute façon. Non. Dans la famille, hein, ça reste en famille, de toute façon. Vous aussi, faites votre Daniel et envoyez ça sur joachimgarou.com/in. Il y a une Porsche électrique à gagner, Taycan, au tirage au sort pour celui qui fera le plus beau Daniel. Et si jamais vous ne recevez pas votre cadeau, eh bien vous vous adressez directement à Evan Gastel qui viendra vous livrer la voiture directement chez vous. Merci Evan Gastel. C'est donc sponsorisé par Evan Gastel qui offre une Porsche par semaine, une Porsche électrique au moins, une Taycan électrique. Tant que tu précises pas la taille, c'est jouable. Voilà. Ouais. En tweet, ça passe.
Tu vois, Ça en passe. tuiles, soit un truc comme ça, on peut arriver à se débrouiller, quoi. Ah, et pourquoi pas un Minimum. Cybertruck? Alors justement, en parlant du Cybertruck, ça sera donc la semaine prochaine, vous pourrez gagner un Cybertruck par jour. Est-ce qu'on peut se faire avoir pour publicité mensongère? Hein? L'ARCOM, là j'ai entendu, on entendait pas, il y a pas mal de trucs sur l'ARCOM, on peut dire n'importe. Les gens ils disent n'importe quoi de toute façon maintenant. Alors voilà, donc voilà. C'est comme si Il y je a un beau film disais. là-dessus avec Pepsi Cola avec la qui faisait gagner un avion de chasse. Ah oui, ça j'avais vu, oui. Il fallait des tickets, ouais. Mais bon, mais parce que c'était un peu comme ça, c'était une espèce de parodie, ils disaient que c'est pas possible. Ou alors je peux dire que si jamais vous inscrivez pas, je tue le petit chien qui est ici. N'importe quoi. Parce que, en plus, si je pouvais en plus me prendre à des procès par la SPA, par les trucs comme ça, tu sais, pour faire le buzz, quoi, tu vois. Non, bon, sérieusement, il n'y a rien à gagner dans cette émission. Je vous le dis tout de suite, hein, n'attendez pas à ce qu'on vous fasse gagner des voitures. Ou alors, peut-être petite voiture de temps en temps. Non, non, voilà. Je vous ferai. Non, tiens, par contre, non, je vous ferai gagner. Non, sérieux, je vous ferai gagner quand même quelques places pour Electric Park. Je vais attendre qu'on soit sold out. Quand il n'y aura plus de place, eh bien, je m'occuperai de vous faire gagner quelques places pour Electric Park. Surtout qu'en plus, c'est con parce que s'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, quand est-ce qu'on va vous annoncer la surprise? Ben, dans 2 semaines. Allez, tout simplement. Hein, allez, on fait ça. On se donne rendez-vous pas la semaine prochaine, du coup. Ça fait une semaine où je peux vraiment travailler à fond sur la prod. Ok? Je peux prendre une semaine de vacances, chef Evan? Non. Bah, je suis pas chef, Non. hein. On peut Tu décaler prends une le jour semaine de ou pas? vacances. Ah, vous voulez décaler, Quoi? vous pouvez décaler? Ouais, parce que jeudi, dans 2 semaines, je joue. Ah. Donc, je pourrais pas être là. Comment Ah tu fais bon, ta promo, alors l'air de ben, rien? donc d'accord, ben, on a qu'à décaler de 3 semaines. Mais non. Oh, mais Mais non, qu'est-ce mais qui on peut. se passe? Non, Oh non, demain soir. Non, non, mais non. Non, mais ce qu'on fera, on fera Demain soir, demain soir, non, j'en n'importe chaud quoi. là. Eh oh, eh oh, vous n'avez pas de vie ou quoi? Il est Vous n'avez là, pas de vie, il vous est êtes. là. Comment ça, vous n'êtes pas. Attendez, attendez. Je vois John Cost là qui est en bonne compagnie. Salut tous les trois. Vous allez bien? Salut. Ça va, ça va. John Cost, je voulais te dire merci. Je voulais te dire merci. Tu sais pourquoi? Oui. Oui. Pas de problème. Je vois qu'il y en a deux à côté de toi qui sont déjà au courant. Alors attention. La première au courant. Putain, Taisez-vous, oui. Taisez-vous, on dit pas la surprise. Bon, en tout cas, dommage. je voulais te dire merci, John Cost, pour la bonne musique. Ah voilà, il y a les masques au moins. Voilà, il y a les masques Space Invaders. Voilà. Très bien. Voilà. John Cost, tu viendras à Electric Park? C'est prévu que tu Bien viennes? sûr. Ah ben génial. Bon, ben, très Avec bien. plaisir. Ah ben, on se verra là-bas alors. Voilà, c'est super. Les gens disent annonce ce soir, donne la bonne nouvelle ce soir. Non, je n'ai pas le droit de vous donner la bonne nouvelle ce soir. Voilà, on fera ça la semaine prochaine. On trouvera un soir, on trouvera un moment, un créneau. Et puis ça peut être entre 2 h et 3 h du matin. Eh, dormir, c'est tricher, vous le savez. Donc alors dormir la nuit, ça sert à rien. Voilà. C'est Bon, ça. ben merci beaucoup, John, et à plus tard. Merci, pas de Voilà. problème. Bon, alors je vous ai diffusé un petit Daniel en exclu, qui était celui de Raphaël. Je vous ai dit que. Ah ben il y en a un autre là. Ah oui, non, celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Oh, allez, 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 allez. Celui-ci, c'est celui que j'ai fait Gare de Lyon. Allez, bon, allez. Je n'ai diffusé qu'une fois. Dis-moi, c'est pas Daniel là-bas? Non, c'est lui. Daniel! Daniel! Eh ouais, c'est qui le patron? Là, c'est vrai que j'ai bien hurlé. Puis en plus, ça résonnait vachement bien. On s'est bien fait plaisir. Ah, on s'est régalé à Serre Chevalier. C'est vrai, c'était cool. Bon, voilà. Bon, merci à Discord. Merci tout le monde. Je vous dis à plus tard. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. On ne sait pas trop en quel jour. On va voir. On va improviser. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, j'ai rien à vous diffuser pour vous dire au revoir. Donc, je fais un petit game over. Et puis, c'est tout. Allez, à plus tard. Rendez-vous sur Discord rapidos. Ciao! Thanks to all humans, aliens, space invaders, and other creatures. Et au fait, vous savez comment on fait un vinyle? La fabrication d'un vinyle se fait en 3 étapes bien distinctes. La fabrication d'un vinyle se fait en... Attends.
La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La fabrication d'un vinyle se fait en... La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La fabrication du vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La fabrication du vinyle... Non, d'un vinyle. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. Alors, la fabrication... La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La fabrique. La fabrication. La fabrication. La fabrication. La fabrication. La fabrication d'un vinyle. D'un vinyle. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes. Trois distinctes. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La gravure. Ah. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. Peut-être la gravure, non ? La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La gravure. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. Il y a combien d'étapes pour un vinyle ? La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Evan Gastel. Bravo ! Allez, bravo. Vas-y, on ouvre tous les micros. Vas-y, ouvrez tous vos micros. Ouais, comme ça, voilà. Voilà. Est-ce que, jusqu'à la fin, je me suis dit, ça va, il a oublié. Tranquille. Vous savez, la prochaine voix soporifique de tous les musées de France. Ah, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, sa voix. Hein. Evan Gastel, il a une voix de dingue. Il est capable de vous hypnotiser comme ça. Ça a figé, moi. Ah, voilà, c'est bon, c'est revenu. Oui, je disais, il est capable de nous hypnotiser, ce Evan Gastel, comme ça, là. Ayez confiance. On dirait les vidéos promo chez Leroy Merlin, tu sais. En tête de gondole, chez Leroy Merlin, t'as toujours un mec comme ça qui fait des vidéos. Ah, ça, c'est vrai, oui. La scie sauteuse Black & Decker 80 billets de 8 avec la lame C35, c'est ça. Tiens, on va ressortir du dossier, je pense. Le on va Winnie ressortir Wallers un peu des vieux dossiers 2006. Du 3%. Je crois qu'il va avoir un peu de vengeance, là. Mais en tout cas, vous saviez combien il y a d'étapes pour fabriquer un vinyle ? Non, on ne se rappelle plus. Bah, comment est-ce en trois étapes, quand même, Christelle ? Trois étapes, la gravure. Ouais. Combien d'étapes ? C'est pour gagner sur TF1, c'est réponse 1. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, merci, Evan. On a bien rigolé pour finir. C'est toujours important. Allez, cette fois-ci, c'est la fin. Salut, c'est fini. Thanks to all humans, aliens, space invaders, and other creatures coming on board tonight. La fabrication d'un vinyle se fait en trois étapes bien distinctes. La gravure, la galvanisation et le pressage.